Allez, on va y aller tranquillement. Bonsoir à aux différents gens qui regardent les différents streams chez Imra, chez Another Mr. Green et chez Iva Sound. C'est mardi et le mardi, on est en soirée mardi Iva Sound, du très beau nom de Mr. Green. Et ce soir, on est sur du Codenames, on y revient un petit peu. On représente pas le jeu, mais on va faire un peu de challenge ce soir. On rajoute des cartes à thématiques. On verra par la suite si on rajoutera nos propres mots personnalisés. On verra. En attendant, je clique sur le bouton commence une nouvelle partie. Je vais vous donner le lien qui apparaîtra quand ça aura voulu. Comment allez-vous, les Moi, gens je du vais bien et Discord? toi? Ça va bien. Ça Ça va. va, Imhotep. Ça va. Imhotep. Alors, je vous mets ça dans le canal. C'est vous Mardi qu'on met Vassan. habituellement dans Mardi Vassan, hein, c'est ça? Ouais. Yep. Tout à fait, monsieur. Tout à fait, Jean-Pierre. Tout à fait, Le Thierry. lien est posté. Je pense que c'est ça. John. Il manque Moi, Nostralix. j'arrive. Mon PC est un petit peu lent. J'arrive dans bon, trois quarts d'heure. Je comprends, il y a beaucoup de graphismes à charger. Ah C'est oui, ça. Ouais, ça c'est c'est le jeu de vraiment l'année, en hein, fin de vie. franchement. Il est en fin de vie, il supporte plus rien. Mais je l'aime. Moi, je propose de faire un code Avec un names sur nouveau. Unreal Engine. Oh! J'avoue. Allez, c'est parti. Eh bien, nous sommes les 5 dans la partie. Ouais, L'autre, tu peux je. lancer en aléatoire éventuellement. Comment on fait? Répartir au hasard comme ça là? Oui. Ouais, t'as un cheveu automatique. Ok. Eh bien, c'est parti. Zoli. Alors, On a pas par contre. d'espion. On n'a pas Mais d'espion. vaut mieux si on met des espions, non? Faut qu'on ait un espion. Mais Non, sinon, on on peut va avoir switch un en espion. problème. Oui. Allez hop, let's Moi, go. j'y vais pas. Bon, Waouh. allez. C'est l'heure du duel! Allez, Ralgaïmra versus Nostralix, Mister Vert et moi-même. Mister Vert. Mister Vert. Mister Vert. Il savait pas s'il fallait faire du français ou de Voilà. l'anglais, il a nous fait du franglais. C'est exactement ça. Sacré Jacques. La prochaine fois, on le fera en espagnol. Caméléon. Rappelez-vous la dernière fois qu'il y a eu Caméléon? J'ai fait une fixation sur ça. J'ai une question. T'as choisi des trucs geek et Il y a tout. Là, il y a tout. C'est pas flagrant. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. J'avoue. Ah, bah, Ça arrive pas tout Plagues. de suite, ok? Oui. Laisse faire le Ah, temps. bah voilà, il y a Plagues. Ah, bah, Attends. l'invocation, elle a marché. Ouais. Il peut rejoindre à la volée, je crois, non? C'est fort possible. Le petit Bonsoir Plagues, tu as le lien de la partie dans le canal Mardiva Sound. Patricia a la volette, Ah la a pris volette, ça, a a la volette, pris ça, a la pris volette, ça, a volé. Code names, allez hop là. Le petit nounours. Chose vilain. Alors, qu'avons-nous là? Tout va bien se passer, c'est que le début de la soirée. Ah, top, bon bah je rejoins le du coup. Voilà, et il ne s'est rien passé, la game a été lancée à peu près 15 Maintenant. secondes avant que tu arrives. Tout à fait. C'est ça. Voilà, on appelle ça du timing, messieurs dames. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Tu joues pour quelle équipe ce soir, Plague, du coup, la tienne ou celle des autres? J'hésite encore, je vais me décider Ouais, je plus comprends. tard. Tu te décideras à la fin N'hésite de la pas à soirée, jouer c'est pour ça? l'équipe bleue. Ouais. En fonction du résultat, il choisira son camp. Je jouerai pour les Verts ce soir. Ni l'un ni l'autre, tu vois. Merde. C'est la neutralité, tu vois. Nous avons des mots qui. Enfin, je vois. J'ai encore là, comme ça, j'ai du mal à voir quelles associations peuvent être faites. J'avoue que je sais pas ce qu'on. Honnêtement, t'as pas les cartes sous les yeux et c'est encore pire. Ouais, honnêtement, c'est. C'est-à-dire que C'est le peu douloureux. d'associations qu'on peut imaginer, elles peuvent pas être faites, quoi. Exactement. Et Waouh. tu ne vois pas le mot noir non plus. Genre caméléon, python et tout ça, c'est pas possible, quoi. Y a pas d'animaux. Bête. Bah non. Cheval. Oh, cheval, le poney. Ça y est, c'est reparti pour le poney. Je fais une fixation. C'est 2 ans que je demande un cheval à mes parents. Bon, je sais que je l'aurai jamais, hein, mais j'essaie toujours. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Chacun ses passions. Hein. Il y en a qui veulent Non, en fait, des ça coûte chevaux. beaucoup trop cher, donc ça n'arrivera jamais. Mais j'essaye. Du coup, j'ai une fixation pour le poney. Le Attends. lasagne. Attends, quoi? Ah, et c'est à vous en plus. Ouais. Super.
Sans réfléchir, hein, cheval. Oui, forcément. Dans le doute, Nilda. Alors, forcément, oui et non. Hein, pour les jeunes générations, je suis pas sûr que. Mais si... il y a goût. Il y a peut-être goût, ouais. Alors, attends, pas à gauche, piton. À attends, frère. J'étais pas prêt pour le lasagne non plus. Host, caméléon, volume, si, mais... rouleau. Franchement, je pense. Enfin, planche. En deux, goût et cheval, ça me paraît. Alors, cheval, oui, vas-y, cheval, c'est bon. Cheval, c'est bon. Goût. Franchement, moi, goût, attends. Mais je sais pas, j'en vois pas d'autres en fait. Dis-moi, t'as peut-être chance que d'ailleurs. Est-ce qu'il y a les quartiers de lasagne, des planches de lasagne, la voûte, qu'il y a, des piles, les lasagnes, ça s'empile. C'est une pile de pâtes. Ouais, voilà, il y a ça. Ça peut être des lasagnes dorées à la flamme. La viande, ça fait marron du coup on peut... Ah bah là, c'est cramé. Hein. Ça part trop. Ouais, on va partir sur goût, je pense. Hein. Goût, pas plus évident. Il est vrai, nous sommes des BG dans le milieu. Tout à fait, Thierry. Et vu qu'on est des fifous, on va cliquer au pif. Non. vous cliquez au pif sur passer le tour. Voilà. Non, Jake. But, alors, ne soyons pas fous. Le pif a été efficace. Tout à fait. Non, parce que je regarde le décor. Je suis un génie. Non, d'accord, ok. Je suis parfaitement d'accord. Par contre, moi, je phase totalement sur les mots que je dois faire deviner. Ah, bah oui, mais c'est pas grave. En tant que tu fais deviner les miens avec, moi, ça me va très bien. En attendant, ouais. On peut admirer Élise Lucet et Julien Bugier. Exactement. C'est vrai, c'est sponsor France Télévisions. Sachant que le prochain agent rouge, c'est Samuel Etienne. Ah oui. Ah oui. Tout à fait. Vas-y, Ralga. Ouais. Ouais. On croit en toi. Faire. Ouais. We believe in you. Come on. Do it. Non, mais pourquoi j'encourage un mec de l'autre équipe, moi? Je sais pas. Mais vas-y, continue hein, si ça marche. Hein. J'ai plaisir de parler. Je lui ai transmis mon goût pour l'équipe adverse, tu vois. Donc... C'est contagieux, hein, faites gaffe. Oula. Oh. Oh. Ah, pas mal. J'en ai déjà un. Il y en a, ok, j'en ai un, bah voilà. J'en ai peut-être deux même avec soldat, je pense. Ah oui, c'est vrai, il fallait pas cliquer sur le direct, mais bon, ça marche aussi, hein, donc c'est bien. Ça marche aussi. Oui, on oublie en fait depuis le temps. Et le fameux régiment caméléon, hein, quand même. Oh, il y a un plomb, tiens, c'est pas con. Je suis sûr qu'il y en a qui existe. Je vais faire... Écoutez, on va faire une petite recherche. Je suis sûr qu'il y a un régiment. Ah bah oui, bah, c'est sûr, il y a tous les animaux de planète. Régiment caméléon. Régiment libellule. Ou alors. Terrifiant. Le régiment Wombat. Le régiment mignon. Le régiment. On fait pas la guerre. Le régiment Ratopnu. Oh putain, bon. Quelle horreur. On passe pour le plomb, allez. C'est très bien le râteau. Ouais, ça me va bien le plomb. On tente un troisième ou risqué? Ouais, non. Bon. Non. T'as répondu pour moi. J'ai glissé au pif. Hein. Au pif, hein. Bon, pour l'instant, ce soir, je joue pour mon équipe. Pour l'instant. On va faire une petite remarque qu'on a peut-être pas fait depuis qu'on joue à Codenames, mais en fait, le jeu, il est adapté au daltonien. Avec les petits, petites formes en haut à gauche des cartes. À gauche des cartes. Bah losange rond. Pour ceux qui voient pas le rouge et le bleu. Ah bah peut-être parce que t'as activé un mode daltonien parce que moi par exemple je l'ai pas chez moi. Je l'ai pas, ah bon non plus. Ah non, je l'ai pas. Ah. Là sûrement mais oui c'est. J'ai dit c'est pas complètement con. Si t'as besoin. Ça aurait été pertinent effectivement. Voilà, montrer les symboles adaptés au daltonien. Si vous cliquez sur votre petit pseudonyme en haut à droite. Hein. Ah ouais? Wow. Ah oui, en effet. Oh, mais c'est incroyable, vas-y, je clique, hein, c'est trop That's beau. Hein. Amazing. Bubbly bubble. Okay. Ah, il y a un mode spectateur. Un petit bubble. Devenir spectateur. Ah, il y a un mode spectateur. Donc, puis-je changer d'équipe, vas-y, je me tire. Hein. Ceci était une blague. Mr. Green. Il réfléchit. Can Meurs. Ouais.
Oula. Oh my god. Ok. Oh là là, la musique adoucit les mœurs. We can have it. Pour la musique. Oh, attends, d'accord, je vois ce que tu essaies de faire deviner. Eh, hey, c'est brillant, franchement. Non, ok, ok. Je te dis, je suis un génie. Ah, faut arrêter de prouver la lampe de temps en temps, hein. Ça marche très bien, maman. Je mets des mots au hasard, là, mais j'ai pas vu tout ce qu'il y a. Pourquoi je réfléchis, c'est même pas mon équipe. C'était pour une vous en fait. Jake. Peut-être, help. Peut-être maîtresse. Peut-être maîtresse. Genre une affaire de mœurs. Je sais pas. Une affaire de mœurs, ouais. Après il y a gauche. Pourquoi? Je sais pas. Non. 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 J'adore la réponse. Commence par affaire, vas-y. Affaire? Ouais. Maîtresse, c'est pas le plus évident. Mais affaire, vas-y. Ok. Et puis maîtresse, hein. Et après le reste, maîtresse. Parce que affaire de mœurs, oui, bien sûr, c'est l'expression, ça se dit, c'est le terme. Maîtresse, parce que. Et là, c'est voilà, sa maîtresse. Certaines hein. Personnes pourraient dire, ce sont des mœurs légères, ce genre de choses. Après, t'as la vodka avec l'alcool, hein, dans ce cas, mais. Oui, aussi. Mais bon, il est vrai que le plus évident, c'est les maîtresses, quoi. Et puis bon, ouais. On parle bien de Blanche-Neige et les sept mœurs, hein, comme on dit. Hein. Exactement. Ça n'a aucun lien. C'est vrai que 7, par contre, pour le. S'il y a 7 dans une des couleurs, waouh. Il y a 7 péchés capitaux, donc pourquoi pas 7 mœurs, hein. Allez, je mets la maîtresse. Vas-y. C'est bon, on tente rien de con. Bah, on a fait 2, on a refait 2, les deux fois c'était 2. Voilà. Allez, on s'arrête. La fameuse prudence. Le genre responsable. Allez-y, les enfants, qu'on vous regarde perdre un petit peu. Là. Les enfants, qu'elle nous dit. Incroyable. Incredible. Tout à fait incroyable, comme tu dis. Oh. Le suspense est à son comble. Waouh. Quoi? Bah du coup si, bah oui. Ok. Donc ça va faire deviner. Bah en soi je pense que oui. Parce attends. Que finalement c'est un peu un mot de la même famille si je puis me permettre. Ouais, pour pas, quoi. C'est limite quoi. C'est un peu mettre le mot dedans quoi. Donc bon après. Oh non mais c'est couillu mais ça passe. Hein. Ça passe. Allez. Allons-y. Soyons fous. Et pour ceux qui savent pas, que veut dire heptaèdre du coup? C'est ce que j'ai tapé sur Google justement. Parce est-ce que c'est que une forme qui a 7 côtés? Non, hepta c'est 7 côtés. Du coup, oui. Moi je pars du principe que du coup il y a polyèdre le chiffre. Polyèdre à 7 faces. T'as dit quoi, Plags? Polyèdre, c'est un truc à 7 faces quoi. C'est. D'accord. Polyèdre qui a 7 faces. Mm-hmm. Il n'y a pas le mot face d'ailleurs, non? Bon, du coup, on a déjà coché ça. Pourquoi cinéma par contre? 7ème art. Waouh! C'est pas complètement con hein, ce que tu dis. J'essaye. volume? Attends, volume. Et peut-être c'est un truc géométrique. Ouais, c'est volume. Vrai que ça va aussi. On va déjà cocher 7. Hein. 7, c'est sûr, c'est ça. Wow, noir. Je suis tenté de tenter volume quand même, tu vois. T'es tenté de tenter volume. Ouais. En vrai, on peut même tenter le cinéma derrière, du coup. Allez, je prends le risque. Ouf. Ouais. Incroyable, GG. On tente le cinéma ou on le tente pas? Bah, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, j'ai. Vas-y. Ah. Bon. Incroyable. Mais quel rebondissement incroyable! À quel moment tu vois cinéma dans heptaèdre? À quel moment, ouais, quand on te donne directement la définition d'un volume à 7 faces, tu cherches. Bah, j'ai dit 7ème art. C'est pas 7ème art le cinéma? Mais j'aurais mis art pour faire 7 et cinéma!
My friend. Bon, en tout cas, d'être témoin, j'ai donné que des bonnes réponses ce soir. Pour l'instant. Il y avait quoi d'autre à côté pour nous? Caméléon, Cartier, Cocon, Pile, Ninja. Oh, il y avait Caméléon. Gauche, Python, Flamme et Vodka. Mais pour le coup, le cinéma en noir, c'est tellement un truc générique que tu peux raccrocher à tout. C'est ça, en soi. Fallait faire vraiment gaffe. Et je suis très déçu que Seth et Ninja ce soit de deux couleurs différentes. Parce que Samouraï, ça rentrait nickel. Ah oui. Samouraï. Mmh. Ça, c'est con. Par contre, autant j'avais un truc pour Caméléon et Ninja, autant par contre pour Pile, Cocon et Cartier, je me sens pas bien. Ouais, tu m'étonnes. Et pour le coup, je suis d'accord que Heptaèdre était vraiment limite, mais le karma a décidé que de toute façon, c'était... Je devais perdre. Voilà, c'est ça. Cocon et Cartier, confinement. Et pas par ma faute. Je sais pas si j'aurais deviné, mais... Je pense pas non plus. Je sais pas. Bah, Cocon, ça fait penser à araignée directement. Genre. Cocon, oui, sur Marc, Cocon Cartier. Et ouais. Pile, tu vois, on aurait pu cocher Pile pour les lasagnes, l'empile de la lasagne. Mais oui, c'est totalement. On était prêts à le faire et puis on s'est dit non, et puis je l'ai au pichet. En fait, si je faisais lasagne en 3, il n'y avait pas un risque. Ouais. J'ai empêché de le cliquer au hasard, donc j'aurais peut-être pas dû. Allez. C'est une suite d'erreurs qui nous emmène à la victoire. Ah, t'as mixé les teams, hein. Ouais. Allez, je vais faire l'espion pour eux. Oh putain. Ok, Imra, toute l'énergie que t'as là. C'est le guerre. Bon, d'accord, Marion. Marion, on a perdu. Toute la concentration, c'est maintenant. Aïe. C'est maintenant. Si Champagne et Président ensemble, vous mettez la rotonde. Numéro, neige, service, que canapé, directeur, droit. Tout à l'heure, il y avait gauche. Avec Joker, tu fais depuis canapé et dimanche. Ouais. Cœur, pierre, balance, dimanche, pièce. Télescope, polonais, bourse, rouage, brise, visage, alpe, champagne et veine. Rouage, il est pas très sympa comme mot. Ouais, rouage... Moi, je pense que ça va, rouage. Je pense qu'il y a des trucs à faire avec. Bah, ça dépend. C'est mots qui sont soit trop spécifiques, soit beaucoup trop génériques, genre droit. Putain, c'est tellement générique. Bah, droit, tu peux le faire avec plein de définitions différentes, donc il peut se caler de ci, de là. J'en profite pour dire que le mot d'après, ça devait être gauche et vodka avec communiste. Je l'aurais trouvé. Je l'aurais trouvé. Bien. Moi, j'allais tenter de faire deviner Caméléon et Ninja avec camouflage ou camouflé. Ou caché. Ah, bon, on en retrouve, mais c'est quand même. Ça va. Quoique Caméléon, camouflage, ça commence pareil. Ouais, et puis Ninja, si. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est la même racine? C'est une excellente question. Peut-être la même racine. Regardons ça tout de suite. Je sais pas, les Anglais ils écrivent chaméléon, ils disent pas chamouflage. C'est vrai. Je fais un chamouflage. Oui, mais faut faire gaffe avec l'anglais parce que la racine de leur langue c'est un peu n'importe quoi. Ils ont piqué de tout à tout le monde. Donc... En même temps, c'est des Anglais. Oui, de toute façon, les Anglais de base. Alors, Alors, ça veut dire littéralement, alors caméléon, ça vient du grec ancien qui vient lui-même probablement de l'acadien, et ça veut dire lion du sol. Mm-hmm. Bah, on voit le léon, lion... Ouais, ouais. Acadien qui a une très belle... En fait, c'est un peu le lion chamé. Ok. Donc, ouais. Et le chaméléon. Oui, on a compris. Ouais, non, mais... Non, mais je préfère préciser... Ouais, non, je comprends. J'ai jamais trop sûr. Mais... Tu sais pas si c'est de l'incompréhension ou du dépit. Ouais, dans le doute, je pars sur la compréhension. Il faut savoir que c'est ça, je pense. J'ai l'impression que du coup, quand tu fais ça, c'est... Non, mais la blague, c'est ça.
La blague, hein, rigolez. Non mais c'est drôle là. J'ai fait une blague. Allez, allez, c'est drôle là. Au fait, quand vous voulez les indices. Ibra, il est en sueur là, je le sens. Oui, bonsoir. C'est la panique, hein. C'est la panique à bord. Je sais plus, j'ai le doigt qui bégaye. Alors que pourtant, comme dirait un magnifique dessin animé, pas de panique à bord. Pas de panique à bord. Non, là, non, c'est. Oups. Allez, Imra, tu nous fais un 5 là. Ça part au quart de tour. 5 peut-être pas, non. Bon, 6 alors. En 9. En 9, allez. Fiche. L'indice sera E. Il y a des E partout. Oui. Ouais, ça change. Non, pas d'un polonais. T'as pas le droit. Les polonais, le droit est polonais. Le droit est polonais, ouais. Est-ce qu'il y a un directeur polonais célèbre? Allez, Imra. Alors, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un polonais célèbre? Je sais pas. Richesse. Alors, attends, Richesse. Alors, pièce, la monnaie. C'est voulu, ça. Pièce, la monnaie. Directeur, président, peut-être. Est-ce que finalement l'argent c'est pas qu'un numéro quelque part? Si, sur les pièces. La bourse, la bourse, bien sûr. On connaît un polonais célèbre. Ah bon? La Jvalisa. Jean-Paul II. Jean-Paul II, effectivement. Ah oui, Jean-Paul II. It is true. Ce fameux Karol Wojtyla. Si tu le dis. Alors, la bourse, sûr et certain, hein, Nostra. Oui, 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 la bourse. Champagne, tu sais, c'est la boisson, tu vois. Ah oui, c'est vrai, champagne. Ah, tu vois, pourquoi pas. Bon, hein. Après, il a mis richesse, il a pas mis riche. Il y avait Chopin aussi. Tu vois, c'est lié, on va dire. Il y avait Copernic. Oui, c'est vrai. Ils sont tous. Vous avez fini les autres? Il y avait Marie Curie. Marie Curie. Comment il prononce ça? Marie Curie, tu vois. Elle était pas française? Non. Eh ben, elle est née polonaise. A priori. Bah, je pense que son nom de naissance, il traduit un peu ses origines. Ouais, en vrai, ça sonne plus tchécoslovaquien. Mais vas-y. Klodowska. On s'entend plus là, les enfants. Vous ouais. Allez, mets champagne. Allez, champagne, j'ai envie. Ouais. Champagne. On va faire un ticket royal. J'ai enlevé pièce. Pièce. Et après, il y a président et directeur quand même. Les deux là. Ouais. Est-ce qu'il y aurait pas. Il y a droit pour la droite. C'est plus les riches. C'est un peu. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Est-ce qu'on peut pas dire que la richesse est tentaculaire, donc pieuvre? Entre directeur et président, je dirais. Ah, mais il y en a 4! Oh ouais, il y en a 4! Non, mais c'est en ça. Fait, la richesse, il y a aussi une histoire de ruissellement, comme de l'eau sur des tuiles. Non, puis les riches, ils vont au ski à Courchevel dans les Alpes. Bah, finalement, vu qu'il y a 4 mots, pièce. Bah, tata, on en a. Ouais. Allez, je tente directeur, hein. Fallait pas tenter directeur. Écoute, on a déjà trouvé 2. On retient que pour richesse, on en a encore 2 quelque part. Voilà. Ça, je me dis que pièce, finalement, c'était assez. Mais du coup, l'idée des Alpes, c'est pas bête. C'est que ça me paraît quand même extrêmement capillotracté. Tout le monde n'est pas au courant. Tous les riches, par exemple. Et puis de l'autre côté des Alpes, il y a quoi? Il y a la Suisse. Et la Suisse, c'est quoi? Peut-être tenter président après. Bah du coup ouais après. Moi j'ai pas d'âme. Moi j'ai pas d'âme et j'ai entendu une bonne idée avant donc du coup hop. Ah. Ah bon bah ok d'accord hein. Voilà. Ça c'est. Je pense qu'on s'emmerde pas. Bah c'est non j'avais pas envie. J'avais clairement pas envie de m'emmerder. Oh merde putain.
Donc non seulement c'était des cartes à faire deviner, mais en plus de la même équipe. Quelle intimité. Ah là, j'ai vendu mon âme, moi. J'ai vendu mon âme pour le coup. Je suis indigné. Indigné par le propos, indigné par le procédé, indigné par la méthode. Et moi, je suis pas indigné par le mensonge. Je parle de propos, j'ai de rechercher c'est quel. Je suis indigné. C'est honteux. Ah, bah écoute, moi, je me sers des bonnes idées pour le bien de donner. Indigné par l'outrance. Je me sers des bonnes idées. On ne te le fait pas dire. Vous êtes rigolo, ça. Voilà. Impôts. Ah, les impôts, ça c'est le président. Arrête, hein, Jake. Tu arrêtes. Bon, Jake, en fait. Il y avait service des impôts. Oui. Jake, mais pourquoi tu fais ça? Mais Jake. Président, impôts, richesse. Mais Jake, écoute, calme ton. Bon, on sait qu'il en reste deux pour la richesse et du coup, plus ou moins peut-être deux impôts. Depuis le début, il veut pas mettre pièce, hein, Jake, en plus. Jake, mais oui. Ah, mais une pièce, voilà, c'est les grosses. Jake, c'est tu sais quoi, la prochaine fois, tu cliques pas, tu me laisses. D'accord. 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 Ça fait deux fois, maintenant, hein. Attention. Hein. Et là, Plax, il est paniqué, c'est quoi? Déjà, merde. Imra, il est dépité, là, il est en mode, mais. Bon, mais écoutez, Dieu. Je me suis fait une raison. Tu vas bien. Il y a le service des impôts, et puis je pense qu'il y a toujours pièce. Hein, parce que pièce, finalement, c'est assez évident. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. B, ça peut être, ouais. Je sais pas si. Parce que polonais, c'est pas vraiment un lieu, tu vois. Bah ouais. C'est pas. Je pense que Alp, c'est un stapic. Après, un lieu, ouais, ça peut. C'est, du coup, c'est peut-être pas pièce. Bah, après, c'est peut-être un lieu. Peut-être que tu peux rentrer dans un polonais. Y a pas un truc en rapport avec le poisson pour le lieu? Oui, une ça pièce. Ça s'écrit pas comme ça. La lieu, le poisson, c'est avec un E à la fin, pas avec un I. Non, c'est le lieu. Et c'est pas la lieu. Hein, c'est le bah lieu. Non, attends. C'est le lieu. Hein, le poisson, c'est le lieu. Le lieu noir. D'ailleurs, ça le lieu noir, effectivement. À mort. Ça pue ce poisson, c'est horrible. Non, mais on n'en voudra pas à quelqu'un qui a choisi directeur et président deux fois de suite, quoi. Nous ne sommes pas là pour juger. Du coup, que de poisson. Mais après, il y a pièce, genre le lieu de la pièce. Est-ce que je vous incite à appuyer dessus pour savoir si je vais jouer au prochain tour? J'ai pas envie de choisir pièce, parce que pour moi, pièce, il est vraiment sur richesse et impôts, donc... Ouais, non, pour moi, il est beaucoup trop évident sur les bleus. Non, mais allez-y, pour être sûr, quoi. J'aurais choisi polonais en premier avant B, tu vois. Ouais. Bah, donc, je partirais là-dessus aussi. Bon, d'accord, c'est un poisson sans œufs à la fin. Bon, Jake, tu touches à rien. Oui, vas-y, mets ta pièce. Et là, bah, c'est pas la pièce. La pièce dans la fente. J'ai le service des impôts, c'est stressant. En plus, du coup, impôt, j'ai pas eu le temps de voir, mais il y avait combien de mots à faire deviner? Deux, c'est écrit à droite. Okay. Là, dans le chat, dans l'historique. Excusez-moi, j'avais pas vu. J'ai un peu con quand même. Hein. Mais non, on n'oserait pas. Ah si, moi, j'ose. Tout à fait. Le mot est fort. Mais absolument. Vas-y, Mra, sois pas trop désespéré non plus. Qu'est-ce qu'il me reste à faire de mine? Tout va bien. Bon, aquatique, voilà. Bon, attends, déjà... Ah, attends, aquatique, on le met entre parenthèses. Voilà, mets la pièce. Juste que je clique pas. Si tu veux mettre service, mets service. Voilà, c'est bon, ça fait deux. Aquatique. Maintenant, aquatique, la pieuvre. Maintenant, t'as le droit de dire des trucs. Ok. Tu peux mettre la pieuvre. Mets la pieuvre. J'ai pas le droit de cliquer, moi, de toute façon. Donc... Mais pourquoi... Ah, ah. Parce qu'il y a que deux. Plus de... Oui, bah oui. Donc on retient qu'on en a ouais, un. Y a un ouais, encore un. Bah, il y a coquille. Ou la B. Ou la baie. Et la neige. Ou la brise. Mais la non, baie ne fait pas le moine. La neige. Un des jeux de mots, hein. Bravo. Bravo. C'est rigolo, ça. Ouais, mais après, si c'était ça, il aurait juste mis. Oh, mais peut-être que dans l'impôt, il y avait les rouages financiers, les montages financiers, tout ça. Ah oui, non, mais ça. C'est possible, c'est possible. Petit financier à manger, là. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, ah oh, putain. Ah, oh, je vais en faire. Trop bon. Attends, t'as dit tu vas en faire? Tu sais les faire? Oh, je vais en faire.
D'accord. On voit. Ouais, ouais. Non, non, c'est quoi ton adresse? Allez, un jour, je vous invite tous, on se fait... Allez, ça marche, on fait un Mardi Vassante chez Nostralix. Pour faire des Mardi Vassante, il faut une bonne connexion. Autre-moi d'un doute, tu habites où géographiquement parlant, Nostralix? Sans dire la ville. On est sur un milieu de France, vraiment au milieu. Oh, ça va, c'est bon, on est tous à mi-chemin. C'est ça, en fait, ce qui est pratique, c'est que quand je pars en vacances, c'est à peu près pas trop loin partout. Genre Centre-Val de Loire ou Non, c'est milieu c'est de la carte. C'est le centre géographique et pas le centre géographique l'autre. Clermont-Ferrand. Un tout petit peu plus au nord en ce moment parce que je suis chez mes parents. Alga, Mr Green, vous avez vu son jeu ? Je suis dans le Bourbonnais. Si vous savez pas ce que c'est le Bourbonnais, je vous aime pas. Bah, écoute, c'est de l'alcool. Je vous aime pas. Bon, qu'est-ce qu'ils nous font long? Ah bah ça, attends, tout de suite. Ah, c'est rigolo. Évidemment, non, mais évidemment, hein. Genre, on est des mecs quand même. On a une réputation à conserver. Hein. Ah bah là, tu peux tout mettre. La veine, elle fait 57 km. La brise, elle fait 57 km pour d'un point à un autre. La coquille, quand elle se déplace pareil. Le télescope, voilà. Fin... Ouais, télescope pour voir loin. Et parce qu'il y a pour moi, il y a que. Balance un truc loin, tu vois. Ah, que ou sinon, il est dedans. Obligé. Et pour moi, si t'étais pas dedans, c'était presque révoltant. Pour moi, télescope, il y est aussi. Je sais pas, moi, je verrais veine, et je pourrais voir visage aussi. Oui, c'est vrai, le visage. Oui. Tout à fait. Ou le temps d'attente d'un numéro de téléphone Pôle emploi, par exemple. Et du coup, numéro. Voilà pourquoi je les appelle plus. Mais je vous dis balance, quand on balance un truc loin, ça me paraît logique. Je pense que même le droit ça peut... Mais si tu prends, c'est long. Ouais, droit ça pourrait rentrer même. Ouais, je... Non mais je veux dire, en essayant de tendre le truc... Ça rentre difficilement. Mais faut rire là, s'il vous plaît. Non. Ouais. Bah... Je suis pas fan de veine, je vois pas. Enfin, ça me. Bah, si, parce qu'en fait. Le réseau sanguin dans le corps. Oui, je sais, c'est très long. Ça donne quelque chose d'extrêmement long. Et dans l'hypothèse où on prend veine, le troisième, ce serait quoi pour toi? Ah, il y en a trois. J'hésite entre visage et télescope pour le troisième. Balance! En gros, voilà. Allez, un. Pomme pote. Ah. J'ai pris des décisions. Tu n'as pas cliqué sur une carte bleue ni sur la carte noire. C'était donc une décision... acceptable, on va dire. C'était de la merde. De toute manière, il nous en reste deux à faire deviner, vu comment c'est parti, il peut le faire en 2x1. Nous sous-estimez pas non plus. Dois-je te rappeler que t'as Imra dans ton équipe qui clique sur des cartes noires et Jake qui clique sur des cartes blanches. Imra faisant en 3 là, ou en 4 direct. J'y crois, ok. C'est toujours de l'espoir. Carte grise. Mais mets-nous des coups qu'on puisse cliquer quand même, Imra. Ouais, mais plein de coups. Ouais, mais du coup, s'il met plein de coups, tu sauras pas si c'est lié à l'indice qu'il donne maintenant ou si c'est pour rattraper les trucs que vous avez pas vu avant. Ah bah ça, nous ne sommes pas à sa place. Ah. Vas-y, Imra. We believe in you. Du coup, je sais pas si c'est baie ou coquille. Coquillage, baie, c'est plus un truc aquatique, baie. La poisse. Peut-être plus baie. La poisse. Je suis étonné que mon pseudo ne figure pas dans cette liste, tu vois. Attends, poisse, c'est la ça peut être la malchance, donc le numéro, numéro qui porte pas chance. Ou un truc qui est poisseux. Ouais. Pourquoi baie? Parce que la neige quand ça fond, c'est dégueulasse là.
Est-ce qu'on peut dire que c'est poisseux? C'est liquide, c'est pas forcément poisseux. Déjà avec aquatique, baie. Il y avait la coquille tout à l'heure, il y avait la baie aussi. Bah la ouais. coquille, mais finalement la coquille, j'y crois moins. Je sais pas. On a 3 coups, on a déjà 4 de cocher ça maintenant. Est-ce qu'on irait pas sur la baie? Ouais, mais la coquille. Ouais, y a... Vas-y, mets B, moi je prends pas la responsabilité. Ok. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Bah, coquille du coup. Attends, tout à l'heure il restait un okay. aquatique. Donc ça peut être la B. Maintenant. Je savais que c'est B. Maintenant, disons que c'est la poisse. Pour la poisse. La poisse, la. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas eu l'abbé Pierre derrière la carte l'abbé. Ouais. La poisse, ça peut être tout ce qui est huile d'engrenage et compagnie, ça peut être les rouages. Oui, c'est vrai. Les graisses, tout ça. Ouais. Possible. Il n'y en a aucun qui me paraît évident en fait. Non, en vrai, j'enlèverais coquille parce que baie, ça avait aucun rapport avec poisse. Je veux dire, c'est obligé que ça soit avec aquatique. Du coup, coquille, je vois pas de rapport avec poisson non plus. Poisson, coquille Saint-Jacques, huître. Huître. Il est vrai. Oh putain, super chaud. Bon, est-ce qu'il y aurait pas déjà de numéro? On peut tenter numéro, ouais. Vas-y, je prends le risque. Bah, vas-y. Ok, voilà, c'est vrai. Fallait pas que je clique. Tu vois, ça aurait été toi qui aurais cliqué, ça aurait été bon. Ouais, c'est ça en fait, je pense. Tu vois, genre les trucs qui changent de couleur. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, en fait, Jack il montre que des noms gris depuis le début en fait. Ouais, mais le numéro j'y croyais, pas. Franchement aussi. Ouais. Bon, je marque l'info. Le tout premier numéro qui a été montré, c'est par Jack et il était bon. Puis ensuite, c'était la débandade, mais. Ensuite, c'était la décadence. Hein. La fin du monde, la Bérésina. Pour le prochain Nostra, vu que on est quand même sur quand même de la poisse encore, rouage et coquille, les deux là. Ouais, ok. Écoute, coquille, allons-y. On l'a lâchement abandonné. Enfin, je l'ai lâchement. Rendons-lui honneur. Et là, ça va être carte blanche. Attends, 1, 2. Ah, il y a encore 3 quand même. Bonté. Quand tu es bon, tu as du cœur. Rodrigue, as-tu du cœur? Bonté divine. Donc là, s'il trouve les deux... C'est mort. Alors attends, le prénom il est long. Et on l'a pas trouvé. Est-ce que je suis d'accord avec cœur? Pour moi, il est évident. Ouais. Et du coup, faut qu'on ait un truc qui a un rapport avec la bonté et le fait que ce soit long. La messe. Oui. Parce que, évidemment, le cœur n'a rien à voir avec long. Je ramène à Jean-Paul II et donc polonais. Donc long, ouais, c'est l'autre mot. En vrai, c'est pas veine. Genre, ils tentent de nous indiquer. Ouais, mais je suis désolé, avec cœur et veine, tu mets pas bonté. Bah si. Avec cœur et veine, tu mets artère, hein. Tu mets sang. Il y en a plein que tu peux mettre, mais tu mets pas bonté. Tu mets Jésus, Graal, Camelot. Droit. Oui. Quand t'es bon, tu crois dans tes bottes. Mais du coup, droit et long, ouais, c'est un. Enfin, il y a un côté un. Rectiligne, tu vois, un peu. C'est loin, mais c'est beau quoi. Allez, tu sais quoi, voilà. Hein. Ah, bah ben. Ah, voilà. Alors, tu vois, il n'y avait ni rouage ni coquille. Hein. Alors, je tiens à préciser que comment. Mais la poisse. Vous n'avez pas avoir la tuile, ne pas avoir de veine. Ah. Bah, du coup, non. Ouais, non. Bon, le tuile, bah oui, mais pour tuile et balance. Tuile et pour veine.
essaie d'en placer une depuis avant, pauvre, là il arrive pas. Ouais, vas-y, Marv. Ah non, mais je l'ai dit. Ah, bah on va le lâcher plus. Et balance. Balance, tu balance, j'ai essayé de le faire deviner avec, le... avec les poids, je sais plus ce que j'avais dit d'autre. Avec un pot pour la justice. Richesse. Il y avait, ouais, il y avait richesse, il y avait un pot, ouais, il y avait plein. Un peu galère, balance. Bon, du coup, Imra, plus espion. Ah, c'est pas sa faute, hein. C'est pas sa faute, hein. Non, j'avoue, les mots étaient chauds. Mais veine et tuile, ouais, non. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est quoi ce switch d'équipe, là? Oula, oula. Wow. Et quoi, là? Attention, la tête qui tourne, là. Nostra Allez, c'est un an, mais je suis nul en mythe. C'est ton tour maintenant, Nostra, allez. Attends, je suis bleu, hein. Ok. Tu peux le faire. Ouais, si tu rates, ça nous arrange, mais... chaque fois, non, mais je suis avec Imra, moi, maintenant. Et il est où, le problème? Pleure pas. C'est la poisse. Tu devrais plus pleurer que je sois en espion. C'est pas faux. Je vais passer pour une loose. Là, il y a quelque chose à faire. Remplacer l'échelle de Plax par l'échelle d'Imra. Mais quoi? Ah oui, je proteste. Ça me révolte. Il y a Homer Simpson, j'aimerais le voir en fait dans le truc. Hein. Ah, je suis tenté de faire un truc en même temps. Et Astérix. Crois en toi, nous croyons en toi. C'est Jack qui commence. Attendez, j'ai une question très importante. Dans l'indice, on doit mettre un mot ou si on peut mettre une petite expression? Ah non, c'est un mot. C'est un seul mot. Sinon, à ce compte-là, moi je mets des phrases complètes. Non, mais hein, je vous pose la question parce que je vois une carte Homer Simpson en deux mots, c'est pour ça. Ouais, parce que c'est un nom propre en fait, mais pas, ouais, je pense c'est l'exception. Que... Je pense non, que c'est un peu l'exception. Hmm. Je suis en train de faire un lien entre plein de trucs, j'espère que vous allez penser, mais franchement, si vous trouvez pas, je vous en veux pas. J'ai l'imagination à toute épreuve. On peut y aller. Allons-y. Du coup, Soleil. Non, mais il y a des trucs. Comme chaud les mots. Il y en a 4, je sais pas quoi en faire vraiment. Je sais pas si. Y'a rien qui. Pardon. Voilà une tentative fort ambitieuse, hein, ma foi. Avec le Covid, on va tout finir. Je laisse les écoles ouvertes. Ah oui, c'est à eux de jouer, merde. Ouverture de restaurants et des non, écoles. Ça va pas. Non, non, ça va pas ce que j'ai mis. Comment ça s'appelle? Attendez, je n'ai pas. Restaurant et ouverture me semble très bon. Puis bon, le Covid, c'est un peu la jungle. Oh, j'ai pas d'idée. Moi, je pète plus. Ou alors le marathon de Paris qui a été annulé, hein. Ou c'est très capillotracté. Ouais, et puis la presse, elle en parle beaucoup, hein. Puis quand t'as le Covid, tu craches du sang. Ouais. Là, le sang, je pense pas. Bon, ouverture, peu... resto, école, oui. Peu... Est-ce qu'on validerait pas déjà les trois, là? Honnêtement, le quatrième, je vois pas trop, j'ai pas trop confiance. Ouais, je pense que ouverture, restaurant, école... Ils me paraissent obvious, ouais. Et j'ai bien envie de tenter poison, quand même. C'est un peu casse-tête, le poison. Ouais, en même temps, c'est... Poison, pangolin, c'est lié, voilà.
quand tu vois les autres, c'est pas Moustache, c'est pas Astérix, quoi. C'est sûr. Hein. Du Covid, Astérix, se laisser passer à 38. Franchement. Ah bah d'accord. Ah. Merci, comme ça j'ai pas rien à faire deviner. Vraiment, je t'aime. J'avoue, Nostra, elle joue pas. Ah mais heureusement, comme ça je... Parce que vraiment c'était horrible. Mais, vous avez pas compris, mais on va refaire exactement la même partie. Hein. Il y a pas eu de jeu là. Okay. Le quatrième. Je partais sur le sang. Ah c'était le sang. J'y croyais pas du tout au sang. Surtout qu'il y a pas de test sanguin, c'est vraiment. Puis c'est... Et la prise de sang. Ouais, enfin voilà. Et il y a pas que le test PCR hein, pour vérifier si t'as le Covid ou pas. T'as la prise de sang aussi. Oh, je sais pas. Ouais, mais c'est pas. Mais sauf que la fiabilité pas n'est pas la même, hein, mon ami. Bah la fiabilité elle est meilleure dans la prise de sang que dans ton test PCR. Dans ta tête, ça a dû être oui, oui, non. C'est ça. Ça côté chat, il va sound, ça vous insulte par la pensée. Ah, t'es d'accord. Hein. Presque. Oh, bah, tu peux relancer la même, du ouais. coup. Hein, ce fut bref. La même. C'est ça. Allez, tac. Allez, Nostra. Allez, Nostra. Monsieur Vert, ouais, tu me vendais. Ah, merde. Trois avant toi. D'accord, bon, Monsieur Vert sera. Zelda. Charlemagne. Ouais. Ah, bah Zelda et Charlemagne, bien sûr, les deux là. Ah, mon petit, cette paix, on lui tous les vrais guerriers. Y'a Pyramide, est-ce qu'il y avait un indice Pépita? Allez. Une petite kiwi. Hein. Dragon, oui. Y'a Dragon et Zelda que tu peux lier facilement. Y'a Alien. Ils sont bien les trucs là, j'aime bien. En fait, ils ont plein de liens entre eux et du coup, c'est très très ça va être très très chiant s'ils sont pas dans la même couleur. Ah ouais, il y a Kiwi avec Pacifique. C'est vrai. Tu peux lier aussi lettres, dossiers et règlements, je pense. Tu peux lier Militaire et Hawaï avec Pearl Harbor. Ou Pearl Harbor, enfin. Je sais pas si tu peux mettre Pearl Harbor. Ouais, ça se discute. J'avais pas vu qu'il y avait Pyramide et Briques. Oh merde. Il y a plein de trucs qui sont faisables. Hein. Ah ouais, putain, il y a Dragon et Pékin. Avec et... Chine, oh. Ça passe. Très en fait, tricky. Il y a beaucoup, beaucoup trop de liens entre les mots en fait là. Ça va être une excellente partie. Je suis désolé pour toi, Nostra. J'ai envie de mourir. Mais non. Si. Ça va bien se passer. Pense au poney. On va tous mourir. J'en ai pas. C'est encore pire en fait. Attendez, je regarde un truc parce que quand même. Oh non, mais. On me propose de te faire penser aux lasagnes de poney. Je sais pas si c'est une bonne chose. Alors qui propose ça? Est-ce que c'est Drago ou est-ce que c'est Eleanora? C'est Léa. Mais Léa, il est bizarre. J'aime bien, hein, mais il est bizarre. Il est bizarre. Je sais pas quoi mettre du tout, là, les gars. C'était quoi? C'était sur un code Names qu'il était venu, Eleanora, non? Yep. Et c'est avec lui que j'en ai refait, bah, lui, Drago, et Madame Drago, que j'en ai refait samedi. Ah. Je sais pas comment ça va. Ouais, fais un truc en deux, un truc simple. Un truc en deux. T'emmerdes pas à chercher des trucs trop compliqués. De toute manière, en face, il y a une Jake. Ça y est. C'est pas gentil. Ça veut dire quoi, ça? Très bien, d'accord. On va te coiffer au peloton, tu vas rien comprendre, mec. Coiffer au poteau, par contre, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Respecte les expressions, quand même. Coiffer. J'ai le droit d'en inventer. Hein. Coiffer au peloton, c'est pas mal. Non, au peloton, je trouvais ça mignon, moi. Chut. Chute dans le peloton. Mais c'est vrai ça. Lanterne rouge. Voilà. Surtout maintenant j'imagine dans la caravane du Tour de France, t'as une voiture salon de coiffure. Non. Mais maintenant j'imagine ça en fait. Du coup tu ah. Ah mais non, il y a ça, purée, vas-y. Même ça je peux pas quoi. Bon.
Il y a moyen de faire deviner kiwi et œuf. C'est vrai, avec le petit oiseau. Non, j'avais ovale en tête, tout simplement. Même si ovale, ça veut pas dire ça a une forme d'œuf. Le sens, sens original d'ovale. Ovoïde. C'est vrai que... Oui, c'est la même racine. Ovoïde, ovale... Same thing. Exactement. C'est chiant l'étymologie, en fait. Ça nous empêche de jouer à Codename. Non, c'est génial. C'est super intéressant. Non, ça nous empêche de jouer à Codename, donc c'est nul. J'avoue, excusez-moi, du coup, je cherche plus du tout. Aïe, aïe. Je vais y arriver, hein. Je vous jure, je vais y arriver. Je vais trouver un moment, ça va s'illuminer dans ma tête. Je vais t'en mode. Eh, je fais un par un, voilà. Je vais tenter. Je vais faire un par un. On a gagné dans 3 tours parce que Ralgaï va cliquer au pif sur une carte noire. Allez, est-ce que quelqu'un va oser mettre Pépin pour Charlemagne et Kiwi? C'est incroyable en vrai. En vrai, il est beau celui. Oh non. Merci. Bon bah, on va pas s'emmerder, hein. On va immédiatement cliquer. Alors, méfiez-vous, c'est Nostralix, hein. Eh hey. J'ai confiance en Ralga. Honnêtement, en ayant dit ça au pif, je trouve que l'indice est magnifique quand même pour ces deux mots. Ouais, c'est vrai. Ouais, alors, j'avoue que Pépin, j'aurais jamais fait le rapprochement entre Charlemagne et Pépin le Bref. C'est son père. Oui, mais je suis nul en histoire. Et sa mère, c'est Berthe au grand pied. Les chaussées du 48. Aïe aïe aïe. En vrai, en balançant des trucs à deux depuis tout à l'heure, je me suis dit que je vais bien réussir à tomber sur un duo. Un duo qu'elle a et que ça va copier bêtement, comme Plagues. Ah bah tu vois, Nostra, tu vois, c'était la bonne technique ça. On te donne des idées, tu les prends, en fait, là, j'attends, je dis en mode oh, non, j'arrive pas et tout, et on me donne des trucs. Non mais c'est bien, tu progresses, c'est bien. On est d'accord, Imra? Bah, ouais, ça me paraît. Y'a rien d'autre, de toute façon. Y'a lunettes de plongée, mais. Non, je pense pas, c'est trop loin. En deux, c'est trop loin. Ouais. Je reste sur l'écran, j'ai cru qu'il y a marqué Waterloo, tu vois. Donc... Ah non, j'aurais chanté du Abba, sinon. Bataille. Ouais, j'avoue. Napoléon. Et c'est déjà à toi, Nostradix. Merde. Amuse-toi bien, hein. I am going to tap you en fait. Attends, Mrs. Berry va violente. Hein. Je vérifie un truc quand même. Parce... I am going to goomer you. To goomer you. I don't agree. Hein. It is not very sympathique. Écoutez. Un jeu. Ok, alors je découvre l'existence du site Wikipedia.fr, qui est donc apparemment une espèce d'urban dictionary mais en français. Wikipedia. Oh, oui. Ok. J'ai cherché goumé sur Google. Wikipedia, pas mal quand même. Et c'est le premier résultat qui m'est tombé dessus. Je connais pas goumé. Pyramide, ouais. Dragon, bah, donjon et jardin. Zelda, simplement. Hein. Oui, Zelda, oui. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Je pense même que Zelda est mieux. Et ça se trouve, c'est pas impossible qu'en fait ce soit. Ouais, non, on remarque, on a suffisamment parlé pyramide, mais moi je partais pas. Ah, sinon, attends, il y a le pion. Pour Tetris. Il y a le pion aussi, pour le pion à jouer sur un plateau de jeu. C'est vrai que c'est peut-être même mieux pion. C'est vrai que le pion, c'est encore plus de rapport direct. Je suis d'accord. Bon, je prends le risque. Let's go. Yeah. Oh mais je vous aime. Mais un point. Je m'attendais à ce que tu fasses une autre association avec Zelda. Je la dirai plus tard. Ah ouais. Bah écoute, tu me diras. J'avoue que là. Bon, on est bien. On fait pas une Imra. On finit de deviner. Alors je... quoi? Je suis sur Wikipédia et je découvre ce site et J'irai après. Ça a l'air drôle. Wikipédia, en fait, c'est la version Wish de Wikipédia, c'est ça? Non, c'est la version Wesh. C'est Wikipédia. Oh putain. Donc il y a Koumé. Ici, c'est la famille. Ah. C'est littéralement un Urban Dictionary français.
Et article lié, glossaire Ken, glossaire nique sa mère. Je m'attendais pas à trouver ça sur un site, quoi. Grandiose comme site. On a un chien. Je vais tenter un truc après, vraiment. Bah, il faut se lancer dans la vie, il faut tenter des choses, hein, c'est important. Je vais juste m'amuser sur la prochaine. Si vous trouvez, vraiment, je vous respecte. Mais un point. Un point. Quelque chose de. On est d'accord que Alien et Dragon, il n'y a pas. Là, c'est sûr. Par contre, les autres, c'est plus chaud. Hein. Comme là, tu vois. Peut-être château. Moi, je pense qu'un dossier est une étrange créature également, tu vois. Jake, je vois pas où tu peux aller là, par contre. Ou F, par extension. Ouais, parce qu'il a mis créature avec un S. Mm. Donc il porte des lunettes, j'en sais rien. Ouais, F. Mais sans grande conviction. Et château ça, également. Conviction, désolé. On a du mal ce soir. Oh my god. Alors, on va faire par élimination. Aiguille, non. Non. Militaire, bon, il y a les militaires ont créé Godzilla, tout ça. Ouais, mais c'est quand même pas plus tracté. Hein. Cuisine, voilà. Ce midi, je me suis fait un petit morceau de Loch Ness. C'est ça. Ah ouais, ça m'étonnerait. Avec un verre de Loch Lomond. Pékin. Capitaine Haddock approuve. Pékin, ça m'étonnerait, c'est une capitale quoi. La boue. La pub ou le pub. Ah, Himalaya, le Yeti. Le Migou. Le Migou. Ah. À la place ouais, de j'avoue. À la place de œuf pour moi. Ouais, bon, bah vous Himalaya fini, et château, sinon, c'est un peu tenté les deux là. De toute façon, c'est sûr, le reste, je pense pas. Hein. Bah, pas lunettes, pas pyramide, pas brique, non. Pas charme. Charme, aucun sens, règlement non plus, dossier non plus, et lettre non plus. Donc, hein. Putain, ah, purée, ah, là, non, là, mais là, château, y a pas de créature dans un château. Ah là 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 là. Si. Mais non. Bah, il peut y avoir le dragon sauver la princesse au sommet du château. Ah, mais non. Là 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 là, terrible. C'était l'œuf, le phénix. L'œuf, le dragon, l'œuf, tout ce que vous voulez, dans tous les œufs il y a plein de créatures. Vous étiez parti sur œuf quoi. Pa. Du coup, je voulais mettre Johnny pour pub et lunettes. Optique 2000. Exactement. Bon, je note que je suis à 4 victoires d'affilée, c'est pas mal. Je suis pas pub. Ouais, ouais. Je suis très... Bon, on est bien. Mais à chaque fois, je note que je suis tombé deux fois sur le noir. Ouais. J'avoue que là, c'est. Ouais. Ah, je vous en veux pour le château. Toi, Jake. Ah, je vous en veux. Après, pour le coup, c'est par rapport aux autres soirées, on est tombé beaucoup sur la carte noire, je trouve, ce soir. Ouais, ouais, c'est ça, c'est. C'est parce que bon, vous n'êtes pas très doué, quoi. C'est vous désimé ce soir. Ça y est, ça bouge. Ça y est. Moi, franchement, ça va. Hein. Mes coéquipiers sont toujours bons. Moi, je suis contente parce que j'aime pas être espionne. Et à chaque fois que je suis espionne, allez, monsieur maire, passe en espion. Face, donc ça me va. Oh putain, c'est quoi le... J'avoue, à chaque fois, t'es parti. Il est en train de spammer le mélange alors que ça sert à rien. Oh, je suis de retour à la maison. Non, mais en fait, en sorte de nous embrouiller pour. Ah, on est bleu maintenant. Let's go. Allez, je vais espionner. Allez, monsieur vert, va espionner. Mais non, vous me laissez avec Imra. Tu t'y feras. Va. Mais non, mais c'est Imra qui espionne. En plus, on comprend jamais ce qu'il veut nous faire. Mais c'est pas vrai ça. Je prends sa défense. Hein. Attention, hein. Attends, il y a Lara Croft et Céline Dion. Non, allez, Imra, d'habitude, quand on est ensemble, on gagne. On peut le faire. Mais oui. Allons-y. Comme dirait Nicole, crois-y. Oh putain. Purée. Putain, j'ai compris la blague, mais putain, c'est une vraie référence, une vraie blague de boomer, ça, quand même. C'est comme Nicole, crois-y. Oh putain. Je suis même pas sûr de l'avoir compris. C'est une rêve de boomer. Je n'ai même pas la ref. C'est une vieille. C'est une chanteuse, je crois, Nicole Croisille. Il me semble. On est sur une chanteuse, oui. Encore pour ça. Je crois qu'elle a pas été actrice aussi. Enfin bref, elle était chanteuse, obligée. Après, je pourrais pas vous dire ses musiques parce que vraiment, on est sur du vieux. Bah là pour le coup.
Déjà le nom, c'est pas bon. Ok Google, je vous finis comme le croisé. C'est Spotify qui va se déclencher. What? Nicole Croate. Désolé, les 45, les 45 tours n'ont pas été numérisés. Merde alors. Et dis donc. Mais c'est mes hits préférés. Oh non, quel dommage. Tous les matins, dans la voiture, un petit Nicole Croisi. Ah bah écoute, pendant la douche, hein, et ça me met bonne humeur. Hein. Petit Nicole Croisi. Imagine. Voilà. Et effectivement, chanteuse et actrice. Et elle est encore en vie. Wow. Ah bon ? Ah, moi, j'étais persuadée qu'elle était morte. Tant mieux pour elle, mais... J'aurais dit qu'elle était morte et enterrée depuis très longtemps. Putain. Ah putain, sa carrière, elle a commencé comme danseuse à la Comédie Française. Ensuite, elle a été mime avec le mime Marceau. Ensuite, elle a été meneuse de revue, puis actrice de théâtre, actrice de cinéma, actrice de comédie musicale. Puis en fait, elle a fini en chanteuse. D'accord. Oui. Elle en a fait des trucs. Bouclée. Showbiz, quoi. Voilà. Elle a une carrière dans tous les sens. Waouh. Par contre, meneuse de revue, c'est vachement stylé. Je trouve que sur le CV, ça claque. C'est en vogue en plus. Aïe aïe aïe, bravo. Merci. Pas mal. Je l'accorde. Bon, monsieur Green. Attends. Ah bah tu vois, t'as monsieur Green et Mister Vert. Hein. Du coup, il peut pas avancer. Monsieur... Normalement, Monsieur Green, ça passe quand même mieux. Monsieur Vert. Je me rappelle d'un magnifique Another GR33N. C'est vrai, ça. Je sais pas si tu te rappelles qui c'est qui t'avait dit ça, Marion. Tex ? Ouais, c'était Tex. Moi, enfin, les deux, Avery. Quoi, la fusion des deux. Tex Avery. Wow, incroyable. C'est sûr que c'est pas celui des amours, hein. Non, ça fait longtemps qu'il a été viré, lui. C'est oui, ça. Il a ouais. Disparu. Après une blague... sexiste. Et misogyne. De très misogyne okay, et... Plutôt dégoûtante, hein. Comme la boue. Fait, hein. Et comme la boue, c'est dégueulasse. Hein. Bah, c'est pas non, forcément c'est dégueulasse, c'est tu, peux peau, te faire, hein. Tu peux te faire des choses intéressantes dans la boue. C'est très bon pour la peau, d'accord. Hein. Ah, mais c'est à nous. Je sais pas ce que tu veux faire dans la boue, Jack. Bah, les bains de boue, la boue, c'est bon pour la santé et pour la peau. Voilà. Exactement. Donc. Bah, tu vois, c'est bon pour la santé et pour la peau. Donc, terre, oui. Déjà, c'est de la terre. Ouais, ça, oui. Donc, ça, d'office. Hein. Et... Céline Dion, quand elle chante faux, bah, on peut la faire boue. Voilà. Non. Ah. Non. Alors, du coup, le attends, cochon se roule dans la boue. Roule dans la boue. Ah, mais alors, Nostradic, c'est pas obligé de les aider en fait. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est très bien. Non, mais vas-y, continue, moi, je ça me va très bien. Et après, on va cliquer au pif. Non. J'ai préféré t'en empêcher. Tu m'en veux. Je suis vraiment désolé. Je l'aurais pas fait. Je suis vraiment désolé, je pensais vraiment pas que ça allait être. C'est pas grave. Écoutez, on va encore perdre. Mais bah encore pour toi, moi ça va, j'ai pas beaucoup perdu en vrai. Justement. Écoutez, je m'excuse pour ce petit écart. Ça ne se reproduira plus. Bon, jusqu'à la prochaine fois. Voilà, exactement. C'est pas ma faute si le bleu c'est ma couleur préférée aussi. Comme la majorité des gens. Ouais, comme la majorité des gens. Mais en même temps le bleu c'est... It's beautiful. Oh, beautiful. It's the color of the sky, you know. It's so beautiful. Et il y a à peu près personne qui te dira ma couleur préférée c'est le vert. Est-il ? Ah j'en connais. À part l'autre là, mais... À part l'autre là. Il y a le violet aussi, c'est trop beau le violet. Il y a le pourpre. Moi plus tard quand j'aurai mon poney, ben je teindrai la crinière en violet. Il sera bleu mon poney.
bleu. J'ai regardé, attends, c'est quel film que j'ai regardé il y a pas longtemps? Peau d'âne, avec Catherine Deneuve, qui date de genre fin des années 70, je crois. Ouais, dedans, déjà il y a Catherine Deneuve dedans. Peint... Non mais attendez, ils ont peint les chevaux en bleu et en rouge, genre intégralement. Aux chevaux. J'étais là, j'étais en mode, bah pourquoi pas. C'est les années 70, soyons fous. Mais non. Alors. Pauvre bête quoi. Ils ont peint, mais genre intégralement. Je... Oh c'est facile. Ah c'est facile. Hein, ah là c'est à nous. C'est évident, c'est manchot et moutarde. Facile. Manchot. Bon écoute, Raliga. Ouais. Ouais voilà. Voilà. Là, c'est... Voilà. Envoyer c'est peser, comme on dit dans le milieu, hein. Et donc Imra, t'as mis tout ce temps pour mettre... Ok, ok. Elle est trop chiante. Uscrognugneux. Non, moi j'aurais mis belge. Oula. Oh, facile, comme... Hein. Comme la chanson de Kyo. De quoi, belge? Non, grave. Ah. Putain, tu connais, tu te rappelles de l'air? De l'air, mais alors les paroles. Non, mais Kyo, non, ok, j'ai eu ma période Kyo, d'accord. c'est même le grave, c'est un tambour. Ouais. Est-ce qu'il y a anchois? Ouais, j'avoue. Chevalier. Écoute, on peut faire un parallèle manchot, anchois. Manchot, ah bah manchois, voilà, manchois. Manchois. Incroyable. Ouais. J'ai parlé d'anchois. Après, y a pas une pierre quelque part. Non, y a pas de pierre incandescente, c'est pour ça que je l'ai mis. Mince. Bon. On va dire que c'est bon. Et pour info, les paroles. Nostra, c'est comme Indy, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Waouh. Comme Indy. Comme Indy. Comme Indy, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Indy a cherché le Graal. Dans les veines. C'est le Botox dans. Ah, arrêtez, oui, hein. Oh my god. C'est dangereux, hein, le Botox dans les veines, quand même. Non, mais ça devient gênant, là, quand même. Excuse me. Je vois bien se passer. Sinon, Imra, bah, laisse-le réfléchir. C'est juste pour te rappeler. Mais non, mais j'ai pas dit. Mais. Vas-y, chante. Oh là là, je tente, mais. C'est dans le cœur, un grand bonheur. Oui, mercredi. Un grand bonheur, c'est mon petit bonnet. D'accord. On y a droit à chaque fois qu'il y a une Australie qui est là. Dessin animé de je sais plus quand, très vieux. Des petits poneys. Voilà. Ah, c'est pas si vieux les petits poneys. Ah, y a le premier dessin animé il est pas le si jeune que ça. Le premier dessin animé, waouh. Ah ouais ? Vieux quand même. Hein. Et c'est justement le générique de ce vieux dessin animé là. Parce que le nouveau c'est en anglais, je crois. Enfin, le nouveau d'il y a déjà peut-être 50. Il n'y a rien de plus doux qu'un ami. Alors, la première série date de 86. 86 diffusée dans, diffusée dans le Club Dorothée. Voilà. Ah ouais, j'aurais pas parié. Il y en a eu ensuite une en 92, une en 2003, une en 2009, une en 2010 et une en 2020. Ouais, bah on voit le. Ouais. Celle que j'ai le plus connue, je pense que c'est celle de 2000. Je suis curieux de voir la différence des images entre la série de 86, t'as dit, et celle de 2020. Bah moi je la vois bien la série. Celle de 86, c'est vraiment... C'est chouette en vrai. C'est de la marionnette. Un beau dessin animé. Non, c'est pas des marionnettes, c'est... franchement c'est un chouette dessin animé. Tu verras, tu tapes... Tu poney 86, c'est bon, ça peut sortir. Mais je crois que JDG, je me demande s'il avait pas fait une vidéo. Il a fait une vidéo, si. C'est dedans, il me semble. Oui. Une vidéo, ça doit être genre un hors série. Une hors série de dessin animé pour filles, non? Ouais, c'est ça. Pas des hors série dessin animé pour filles, je crois. Et du coup, c'est dedans, donc si tu veux aller. C'est 4. Enfin, 2012. Et en plus, t'as pas. En 2011, en fait. Non, en 2012. Parce que JDG, oh, c'est un petit poney.
la baraque à frites. Ok. Moi je dirais que c'est Suisse une fois. J'adore les frites. Y'a pas baraque, c'est nul. Vas-y, belge, c'est bon. Pourquoi je crois qu'on échappe sur les restes, hein. On rappelle que Lara Croft est belge. c'est bon les frites. Au même titre que Céline Dion, hein, ça va être sûr. Mais pourquoi friterie précisément en fait? Bah ouais, c'est pour ça, y'a peut-être un truc là-dedans. Bah, en fait. C'est une chaîne de restauration. Bof, tu connais une chaîne de restauration que c'est des friteries. Bah, McDo. BK. Enfin, friterie serait pas KFC. Le nom qui me viendrait à l'esprit. Bah, en fait, c'est le mot friterie me. Bah, le mot friterie me perturbe aussi. Mais de là à mettre chaîne de. It is compliqué. Oh. Je sais pas. C'est évidemment Nombril. Oui, tout à fait. Parce que les frites que tu bouffes finissent dans ton ventre. Donc, derrière le nombril. Elles finissent dans ton nombril, oui, bien sûr. Derrière le nombril. Derrière le nombril. Ça sort du nombril et après ça fait le cordon ombilical. Oh non, allez, ah, oh, les images dégueulasses. Allez. À base de pommes de terre, c'est bien ça. Pas trop fils. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je trouve ça bon et je trouve c'est une excellente théorie, Jake. Merci. Je suis en train de relire tout et je vois rien de plus évident. Tu es une sage-femme dans une autre vie, j'imagine. Tout à fait. Très sage. Allez, moutarde. Vas-y, je te laisse la vie. Ouais. Moutarde avec des frites. Non, c'est pour... Mais pourquoi friterie? Moi, perso, je mets jamais de sauce avec les frites. Même avec tout, en fait. Parce que je préfère juste le goût de l'huile sur la frite. On me raconte des trucs traumatisants sur mon chat à base de nombril et frites, donc c'est vraiment bizarre les gens belges. Il y a des gens qui mangent leurs frites, tu sais, sur des gens comme les sushis là. Oh, oh non. Je suis sûr que ça existe. Oui, c'est... ça a déjà été. Et qu'est-ce qu'elle te fait à manger, Monique? De l'huile. Avec tes frites? Non, de l'huile. De l'huile huileuse. Mais de l'huile, les petits hommes dans la vie, il faut que ça glisse. Je sais pas si les gens ont la référence de ce truc, mais... C'est horrible. Et enfin, il est pas mort, Herbie Villard. C'est l'école du fan, le sketch des nuls. Mm. Si, il est mort. T'as vu le... Mais non, mais est-ce que tu as vu l'hommage à Jean-Pierre Foucault? Bah non, donc il est pas mort. Oh putain. Vous en avez puté. Et c'est ta maman? Non, c'est Monique. Elle dort avec papa et elle met pas beaucoup, beaucoup de pyjamas. Punaise. S'il y en a un qui a station et lunettes, pas mal. Bah, station balnéaire, lunettes de soleil. Non, ou ski. Parce que tu sais, tu fais du ski. C'est plus à la neige, moi aussi. Mais... Ouais, moi j'aurais mis ça plutôt. Parce que je fais partie des personnes qui ne mettent pas de lunettes de soleil. C'est très très mal. Du coup, je ferais mal le lien entre soleil, enfin, balnéaire et lunettes. Ok. Je pense que ski est plus évident. Après, si ça se trouve, personne n'a cette association de mots, du coup, ça sert à rien de le dire. Mais... Dans le doute. Par contre, si quelqu'un a Céline Dion et loup, hurlement, ça peut être pas mal. Ça c'était pas mal. Et avec Iceberg, tu fais deviner Céline Dion, Manchot et Morse. J'avoue. Bien aussi. Céline Dion a représenté la Suisse à l'Eurovision également. Oui, tout à fait. Oh non, oh, sérieux. Allez, tu... Oh merde. Merci. On refait une pépin là. Putain, mais... Bref. Non, ce qui vient avec Ralgas, c'est qu'il peut pas s'empêcher de parler. Il peut pas s'empêcher de dire des trucs. Ouais, meublé. Ralgas... Ça, je vais l'utiliser à mon avantage. Ralgas, en fait, c'est ça. De cette game. Monsieur Vert, en fait, t'attendais, t'étais là, bon, j'attends que Ralgas parle, il va bien sortir un truc à un moment donné. Voilà, à partir de là, tout est dit, quoi.
Ah. Il était fulgurant là, il est trois mots en 5 secondes. Il ah ouais, j'ai réfléchi, j'ai poussé la réflexion toi, au maximum. Tu leur donnes un indice, moi je leur donne un mot, enfin vraiment, elle pire. Alors je cite ce qu'il vient d'être dit sur le chat, c'est un message pour Nostra. Je cite, elle est marrante, Nostra. Ah merci, c'est très gentil. Vous la retrouverez en One Woman Show sur scène quand il n'y aura plus elle COVID. Elle est MJC de Tourcoing. Elle est MJC de... Mercedes de Tulle. Attends, je suis en train de chercher le... Du coup, le Bourbonnais à la MJC de Moulins. Tu dois pas être trop loin dans le coin. À Moulins, je pense c'est un peu plus qu'une MJC à Moulins. Ils ont quand même le musée des arts des costumes de la scène. C'est pas rien. Alors, le CNCS. S'il vous plaît. Attends, le Bourbonnais, du coup, il y a quoi? Il y a ces Moulins, Vichy, c'est tout ce coin-là, c'est ça? Oui, c'est ça. La Vichy, la collaboration. Tout ce qui est zone occupée, tout ça. Ouais, voilà. Zone occupée, ligne de démarcation, collaboration. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Voilà. J'avais jamais réagi à quel point Moulin était si proche de Vichy, quand même, pour ce pauvre Jean Moulin. J'avoue. Qui a été enfermé un temps à la prison de Moulin, qui se trouvait dans la tour de la Malcoiffée, qui était un ancien palais des Bourbons. Voilà, je peux vous faire toute l'historique, si vous voulez. Mais écoute, faut donner une pièce pour le guide à la fin. Oui, c'est ça, voilà. Stup, préciser, parce que stup, c'est pas un mot, hein. Stupéflip, c'est un mot. Stup tout court, c'est un mot. La brigade des stupes. C'est vraiment un mot. Écoute, il est considéré comme un mot. Il est dans la rousse. Ah, t'as vérifié? Des barres. Ah, d'accord. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les flaques. Eh oui, mais tout à fait. Tu l'as séquestré, baïonné, bigoté. Parce que bar, pas genre des ouais, des bar, il me met bof. Et après, il y a des lunettes, parce que quand si t'es stone, tu vois, et ça se voit, du coup, tu portes des lunettes de c'est, soleil. C'est bon, c'est mieux d'être stone que Chardin, quoi. Pas mal. très bien. Oh, j'adore. Sinon, pense à ton criquet pour allumer tes cigarettes. Ouais. J'y ai pensé déjà en plus. Bon. Okay. En vrai, bar me semble plus probable, mais je sais pas. J'arrive pas à trouver autre chose et dans ma tête, j'ai stupéflip vite et j'arrive pas à réfléchir. Oui, moi aussi. Il y a stupéflip qui revient très très fort. Bon, bah, allez, bar. Allez, c'est je raté. Me tais la prochaine fois, au revoir. C'est un échec. Désolé Imra. De toute façon avec Ralga on est des boulets là. C'est pas notre game. Bah non attends Ralga il a fait deviner 3 cartes bleues Ralga. Bah justement. Et moi je voudrais trouver une. Normalement on a du temps quoi. Et j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas ces illuminations quand je suis l'espion. Mais c'est vrai ça en plus. Ça m'énerve, j'en ai marre. Je travaille pour l'ennemi c'est ça. Collabo. Ah, Vichy, la collaboration. Ça y est, tout est lié. Attention. On est dans la merde. Par contre, ça me saoule que Vichy soit connu, genre que pour ça, limite. Alors que bon. Non, il y a les pastilles aussi. Tout ça, ah, il y a les pastilles, hein. J'avoue. Hein. Oui, il y a les pastilles. Pour faire passer la prison, c'est toujours bien les pastilles. C'est un agent double. Napoléon, tout ça, ça, non. Vous voulez pas. Bah, il y a de l'eau. Il y a les. Il y a de l'eau de Vichy aussi, je crois. Oui. Mais il y a de l'eau de vie. Dégueulasse. Je sais pas si vous l'avez déjà bu à la source à Vichy. Elle est dégueulasse. Non. La Vichy Célestin, elle est imbuvable. Ah, c'est imbuvable la Vichy Célestin. C'est de la daube. J'ai déjà voulu boire à l'eau de Lourdes. Oh, non, mais t'es sérieux là. Ah ouais. Attends. Mais j'ai les mots qu'ils ont sous les yeux. Ils peuvent pas le faire deviner en un tour. Donc... Attends. On est sûr que c'est juste un. C'est juste en un. Bridou. Mais non, sûr que le c'est le moment d'avoir une élimination. Ouais. Est-ce que Lara Croft n'est pas un peu un rongeur? Attends, parce qu'il reste 3 rouges, une bleue, une noire et 6 blanches. Ouais, je l'aurais tenté. Hein. Non, mais. Je vois bien la strat de Monsieur Vert en fait. Il nous fait deviner à 1 pour faire rappeler aux autres qu'il nous en reste plus qu'un et qu'eux ils sont obligés de faire 3 pour faire mieux que nous. Quoi. Ah, mais 3 c'est faisable. Non, pas avec ce qu'ils ont.
Ah ouais? Ah, je suis sûr. Ah, c'est pour ça, il leur met bien la pression, il joue sur le. Bon, déjà, stup. Sur l'aspect psychologique. Mais je vois même pas ce que stup ça peut être. Bah. Les lunettes de soleil. Bah non. Et le banon est pas gentil. Ah, alors bien sûr, il y a une carte d'aura. Donc Lara Croft, forcément. Lara Croft, l'exploratrice, c'est bien connu. Bon, hein. Ensuite, tu peux explorer la Suisse. Ça y est, ça commence. Putain, on en a un. Et après, Dora l'exploratrice, c'est sur une chaîne de télé, non? Peut-être pas. Ouais. Une chaîne de télé ou une station de télé? Station de radio. Bah, on dit bien. Arrêtez. Les deux. Lunettes, en plus. Après, Lara Croft, elle est... Vas-y, bon, dis-le. Non, elle est bonne. Pas forcément. Il y a les lunettes. Non, mais j'en peux plus non plus. Écoutez, il faut que je le fasse. Je suis désolée. J'aurais mieux, tu vois, moi. Il fallait que je le fasse. Je suis vraiment désolée, c'est agréable. Ah bah. Je peux pas faire autrement. Le tambour, c'est agréable. Je raccroche mon stylo. Alors. Comment? Enfin, qu'est-ce que tu voulais faire deviner avec stup? Chaîne nombre. Y'a pas que mon stylo que j'ai raccroché. Y'avait quoi avec stup, Imra? Y'avait quoi avec stup? Et je voulais faire deviner chaîne de drogue aussi. Chaîne y avait de un drogue, troisième mot, je sais plus ce que c'était. C'est j'ai mis quoi? Ça existe pas, chaîne de drogue. Ça n'est pas bon, en tout cas, là, on était tellement dans la sauce que. Et après, avec le dernier, nombril, là, pourquoi avec exploratrice, ça aurait été Lara Croft, chaîne et nombril? Ah non, il avait exploratrice en 3, c'était pour. De toute façon, il fallait se débrouiller, c'était. Il a pas gagné sur le prochain tour. Parce que là, avec l'exploratrice, tu vois, moi, j'aurais coché notes pour le bloc-notes, enfin, prendre les notes, tout ça, l'exploration, ouais, l'archéologie. Sinon, mais juste un truc très con, chaîne et nombril, tu mets pas cordon? Ouais, compliqué, hein. Non, donc, pense, mais non, parce compliqué. Qu'on a dit que c'était les frites, oh. De toute manière, je rappelle que de base, on a perdu 3 cartes, mais moi, j'ai plus de temps pour faire deviner, hein. Oui, hein, bon, merde. Crédit. D'abord. Et toc dans les dents. On a perdu plutôt 4. Non mais par contre, je voudrais remercier Ralga qui a fait beaucoup pour l'équipe bleue. Ah ouais, non mais là c'est... Ralga. Franchement, on perd à 2 cartes près, ça va. Hein. Bon, mélangez-moi tout ça. Ouais. Oh, Ralga. Oui, Ralga, bon. Va en espion, c'est mieux. Ouais, là tu vas voir que j'ai pas avoir d'illumination. Mais aide-nous, nous, hein. Tu vas y arriver. Wow. Au secours. Oh Jake, comment on se retrouve? Salut Nostra. Limonade. Ah, du coup, attends, Plex et moi, on a tout le temps été ensemble et on est à 5 victoires d'affilée là. Ouais, et ouais. Toi, mais. Eh, mais. Chut. Il y a des gens qui dépriment ici. Michael Jackson. Oh, il y a bon Cowboy, game. Viking et tout. Oh, ça va être mignon. Il y a Michael Jackson. Je vais pas livrer les bières, tu pourras boire. Il y a du curry. J'adore le curry. Petit curry de poulet là. Oh là là. Curry, non. Oh. Des crevettes. Curry lait de coco. Trop. Il y a pas ville. Je ne dirai rien. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule encore, non? Je crois que j'ai trouvé. On est ensemble, hein, Nostra. Et c'est que c'est la même équipe, oui, non? Oui, je sais, c'est pour ça. Ah, mais merde, mais purée, mais... Oh là là, mais rien ne va. Allez, il est quelle heure? 22h30, c'est l'heure. C'est pour ça. Tout va bien bah, se passer. Du coup... Ah, ouais. Un indien dans la ville. Ouais, ouais, mais je mettrai Cowboy avant, quand même. Oui, quand même. Et après, en 3, viking, je sais pas. Je sais pas, je pars. S'il y a l'indien, oui, le cowboy, personnage, viking. On dit que les vikings, finalement, sont les premiers à être arrivés. En plus. En Amérique, mais je ne sais pas. Après, les indiens, ils font aussi une ronde autour du totem. Ça, je sais pas, hein, mais. Magie. Le curry, ça vient de l'Inde, non? Oui. Ah oui? C'est indien, curry? Mais ouais, non, viking, allez.
Et est-ce qu'on mettrait pas déjà Cowboy? Oui, Cowboy, oui. Qui est évident. Alors, attends. 23, ok. Écoute, Curry est bien, quand même. Curry est non, classe. Curry est bien. Vas-y, mets Curry. On met Curry, allez, je mets Curry. Bon, alors, Urbain ou Viking? On relie, hein, limonade, ouais, bidon. Mais on va faire ça. Pilote, coton, ronde. Le ronde, quand même. Mais on est con, il y a Asie. Asie, Linde. Ah oui, bah oui. Asie, bah, plateau, Mars, oui. Grenade, chien, puce, voiture, soupe, bombe, bien. Du coup, ton urbain me perturbe en fait. Non, mais oui, il me perturbe. Que tu l'enlèves ou que tu le laisses, il me perturbera quand même. La petite ref, un hasard dans la ville, je sais pas. Je ne sais pas. Du coup, tu vois, à la base, j'étais bien parti sur Viking, mais en fait, maintenant, j'hésite entre urbain, j'hésite plus entre urbain et Asie. Bah ouais, urbain et Asie. Après, mais Asie est plus. Moins tiré par les cheveux, tu vois. Ouais. Je clique. Vas-y. Oh yes. Yes. Alors je tiens à dire que c'était douloureux à regarder quand même. Je préfère ne pas commenter avec cette Viking session. Je ne piche pas que vient foutre le Viking dans cette histoire. Eh ben si, parce que les Vikings c'est les premiers à avoir découvert l'Amérique et potentiellement avoir rencontré les Indiens. Mmh. Ouais, mais à côté de Asie, Cowboy et Curry, sérieusement. Oui, oh bah ça va. Et puis il y a Urbain aussi, on est dans la vie. Oui, donc je me répète, à côté de Asie, Cowboy et Curry. Les chutes. Mais bah, vous êtes non, mais si on va dans ce sens-là, dans cette association, Cowboy il a rien à faire là. Hein. Oui, c'est une extension. Il est vrai. Très facilement au Cowboy aux Indiens. Bon, passez votre tour, s'il vous plaît, avant de cliquer sur un truc où il faut pas. Est-ce qu'on peut pas mettre Urbain hein j'ai sur Urbain, ouais, c'est la carte nord, moi ça me ferait kiffer. Ah ouais. Oh. Ça irait bien, hein. Michael Jackson. Ouais, il y a les courses spatiales. Les courses spatiales avec Mars. Les courses de chiens. Les courses de chiens, ouais. Ou jouer les pilotes, hein, on s'emmerde pas, ouais, voilà, nickel. J'espère que c'est interdit en France maintenant. Oui, bien sûr, depuis longtemps. Enfin, quand tu vois que la plupart des animaux sont. Enfin, les cirques et les gros aquariums et tout ça. Oui, oui, courses de chiens. Et. Ah, tu vois. Excusez-moi. Lacia. Gracias. Petit lavage de main. ASMR. Incroyable. Vas-y, Ralga. Et une illumination. Oh, pas trop quand même. Hein. Est-ce qu'il y a Marc Dutroux dans le lot? Est-ce qu'il y a moche, pénible, bruyant? J'avoue. Je suis désolé. Ralga, je crois savoir une, ah bon des, une des cartes. Ça mérite. Ou Plax, non, c'est qui? C'est Plax qui est fini. Oh bah oui. Plax qui quoi? Bah oui. Non, je sais plus quelle couleur si c'est Ralga. Oui, je pense que. C'est moi. Je pense que. Voilà, c'est. Je pense que ça paraît assez évident. Voilà, voilà. Ah. Malheureusement. Et ensuite, bon, les enfants, ça va en classe. Ouais. Ah, je suis que mais ils peuvent se déguiser en. Ils peuvent se déguiser en viking, ils peuvent faire de la magie. Ils aiment manger des mars sur un plateau. Se nettoyer le nez avec du coton. Faire la ronde dans la cour de récréation. Reviens ici. Là, à un moment, il faudra marquer une carte et qu'en fait, il se gourra, il la validera. On peut les appeler puces. Ah bon, d'accord. Bah, puce, tu veux mettre puce? Je sais pas. Bah, puce avec chien, à la limite. Mais puce, si t'as envie. Je fais ce que tu veux.
Non. Ah, t'as été raisonnable. C'est bien. C'est incroyable, hein, d'ailleurs. Bah arrêtez, j'ai toujours cliqué sur film de vignes. Ça va, t'as pas envie de voir. Bah pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Même si vous... Bon, je savais exactement le mot qu'allait mettre Blags. J'aurais mis exactement le même à sa place. Les Vikings ont un collier. Un collier en nylon. Mais non, en os. Avec les crânes de leurs ennemis dessus, c'est bien en connu. Hein. Ils boivent la soupe dans le crâne de leurs ennemis. Ouais. Voilà. Crâne autour je duquel il y avait. Pas fan du nylon sur ce truc. Hein en même temps. Après, par contre, qu'est-ce qu'il va d'autre le fameux fait, collier d'astéroïdes autour de Mars. Genre, en rapport avec le chien, t'as le collier anti-puce. Magie. Oh, et wow. Nos idées, mon deux ouais. Amis. J'y, honnêtement, je n'y vois plus de lien qu'avec Nilo. Après, on peut tenter. Hein. Déjà, on va dire chien, je pense. Oui, chien, c'est sûr. Hein. Hop. Toi, tu préfères puce? Ouais, je pense que genre l'idée du collier anti-puce, ça me parle, moi. Voilà. Les scores sont serrés. Ouais. On va combustir. 15 à. On a ça, c'est chaud. Hein. Attention, il a son comble, hein, comme on dit. Octobre. Est-ce qu'il y a rouge quelque part? Rose. La révolution d'octobre. C'est en Russie, si je me trompe pas. C'était la révolution d'octobre en Russie. Octobre rouge, justement. Fait, historiquement, c'est... Oui. C'est juste. C'est accurate. Il y a Halloween, c'est quand? C'est pas en octobre? Si, c'est le 31 octobre. Non, c'est au mois de mars. La magie. Non. Si j'ai 4 ans et demi. Non. Okay. Pourquoi pas? Tu es une sorcière, Nostra. Wow. It's beautiful. Mais vas-y, mais ma magie, elle what est bien. What a wonderful world. Pourquoi tu veux pas de ma magie? Bon, il y a un gros pâté de rouge à droite, là. Ouais, t'as vu ça? Il est pas gros, il est jovial et épanoui. Urbain. Moi, j'ai envie de mettre magie. Pourquoi? Mais parce que Halloween, la magie, non. Tout ça. Mais... Non. Il a dit c'est non. On dirait. Mais. Tu fais la crise comme dans le magasin. Mais. Je cherche des événements importants en octobre. Est-ce qu'il n'y a pas un truc mais en rapport avec la liberté dans quelque part? En France, il n'y a rien de. Mais je peux comprendre ton élan, hein, Nostradamus, Nostradamus, bah... magie, hein, je peux comprendre. Hein. Ah ouais, ah non, waouh, t'allais trop loin. Mais il n'était pas très très magicien, lui. Hein. Soupe. La soupe, tu sais, genre octobre, ça commence à faire froid, du coup on commence à manger de la soupe. Ouais, enfin l'octobre, c'est aussi l'été indien, donc on peut cliquer indien. Oui, oh ça va. Hein, Pourquoi tu brises tout Pense au petit poney. J'ai envie de mettre de la magie. Justement, je pense au petit poney, il y a de la magie. Qui se mange en paillette. Bon, Jake, plateau. Dans 10 secondes, je vais cliquer sur magie. Je peux non. Rien faire contre. Je peux pas enlever le pseudo de Nostralix là. Non, tu ne peux pas. Non, non, mais t'as pas. T'as quoi d'autre comme idée en vrai? Là, je cherche, je réfléchis. Ok, ok. Est-ce qu'il n'y a pas eu des bombardements importants en octobre? Pas c'est octobre 2020, hein, mais écoute, octobre de n'importe quelle année. C'est probablement pas... quelque part dans le monde. Hein. Ah, c'est... En Irak, hein. On... Sait-on jamais, hein, des fois que. Ah, mais il y a grenade à côté, mince. Ouais non, si c'est bombes et grenades, bah il y a les premières manifs gilets jaunes avec les bombes lacrymo et grenades tout ça, mais là on est trop, ouais non. Il n'y a pas un meuble qui s'appelle Octobre? Oh, faut aller voir chez Ikea. Non, Ikea c'est nut nut. Chez Ikea serait. Ça, c'est non, c'est bon, Octobre c'est mais avec que des K et des O avec des points. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un algorithme pour les noms de meubles? Nostra. Il n'y a pas le mot balance quelque part? Non, c'était avant ça. Nostra, octobre. Dommage. Oui. C'est un mois. Mars, c'est un mois. Oh putain.
Oh putain. Vas-y, je te laisse cliquer. Putain, vous m'avez tellement fait peur. Je peux cliquer sur magie. Non. Je peux cliquer sur magie, mais pourquoi? Vas-y, 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 clique sur magie. Mais je voulais cliquer sur magie. Vous m'avez tellement fait peur, alors que pour moi, il était évident. Il n'y a pas forcément. À chaque fois, au dernier moment. Je me suis dit que je vais être octobre, ils vont trouver Mars forcément, et puis peut-être que quelqu'un pensera à la révolution d'octobre. C'est et l'inverse. Et là, il s'est passé. Oui, octobre, donc la révolution. Révolution. Et là, je vois magie, bombe, apparemment. Mais. Bah ouais, j'ai bien focus Mars, la planète en vrai. Donc, En fait, avec Jake, on est trop intelligent, tu vois. On voit tout de suite trop loin, mais on n'arrive pas à revenir à ce qui est facile, quoi. On se complique trop la vie, c'est tout. On est peut-être juste un peu con aussi. Non, c'est... Trop d'intelligence, oui, trop. On réfléchit différemment. C'est forcément. Oh, facile. Easy. Bon, du coup, pour magie urbain, je lâche la terre. Après, enfin, je vois soupe et je vois tout autant, presque tout autant limonade. Ouais, mais toi, soupe, ça fait plus. Bah ouais, tu penses plus à servir de la soupe. Ah bon. Ouais, moi je suis plus soupe que limonade, donc. Bon, déjà plateau, on valide. Plateau, oui, ouais. Et puis bon, j'étais parti sur soupe avant limonade, mais je crois que je veux vraiment le caser soupe et c'est pas bon. Voilà. Mais putain de merde, mais non! Ah bah, Urbain, c'était pas la limonade à table, alors, en fait, bordel de merde sur un plateau! Vous avez eu plein de trucs au pif. En fait, vous avez pu pointer que des rouges. C'est incroyable. Ah ouais. Viking, urbain. Non mais là, pour le coup, c'est Plax qui nous a fait perdre. Tu peux servir de la soupe aussi, hein. T'as toujours l'archétype des années 30 avec le serveur et sa soupière qui renverse la soupière sur quelqu'un et le quelqu'un se brûle. Oui, ça peut prêter à confusion. Ma serveur peut aussi t'apporter une limonade sur son plateau à table. Dans ce cas, c'est plus un barman. Limonade et soupe et que l'un des deux est noir, tu mets pas serveur. On aurait pu cliquer au pif, ouais. De toute façon, les deux derniers, je pense que je les avais en un tour. En mettant Copenhague, je pense que ça passait. Ou Reykjavik. Oui. Stockholm. Enfin, n'importe quel pays scandinave. Ouais. Pour l'Indien, on aurait pu mettre... Et on aurait pu mettre urbain et viking. Ouais, en plus, franchement, indien, t'aurais mis 5. C'était bon. Mais, j'ai pas pensé à l'Indien dans la ville, mais pour le coup, urbain en truc extrêmement capillotacté pouvait se faire. Alors, viking, par contre, il sortait de nulle part. Hein. Bah non. t'as les cobas, les personnages, enfants. Tu vois. Mais franchement, t'aurais mis Indien en 5. On les avait tous. Je suis en MP avec des gens sur Discord de cette partie dont je tairai le nom qui s'appelle Plax et Mr. Green. Pardon ? Qui ça ? Voilà. Et. J'ai eu un truc, tu dois bouillir là, ou un truc comme ça, je sais plus comment tu... Tu dois être en PLS là. Ah bah oui. Ah c'est compliqué là. Bordel de merde. Attends, tu peux faire un reshuffle parce que ça fait 7 fois de suite que je suis avec Plags. Ah maintenant qu'on a perdu, tu veux plus être moi. Hein. Ah bah ça, oui, t'as montré que t'étais pas fiable. C'est vrai, sur 6 parties on en gagne 5, hein, c'est pas mal non. Forcément, ça revient. Un beau ratio. Qui c'est qui va aller en espion? C'est ton tour, d'Australix. Je veux pas y aller. On peut changer d'équipe. Ah merde. J'ai pas confiance en Austra. Moi, bon, j'aurais pu y aller, mais est-ce que t'aurais plus confiance en moi? C'est une erreur, en tout cas. Hein. Je te le dis. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Okay. C'est après vrai. Tout. J'ai pas confiance en moi non plus, donc voilà. J'ai plus confiance en moi après ce que je viens de faire, tu vois. La soupière, ça m'a foutu dedans. Ah, pour le coup, oui, malheureusement. Voilà pourquoi je n'ai jamais aimé la soupe. Sauf celle au quotidien. Du légume, là. Non, mais c'est tout. Quoi. Alors, Hollywood. Bon. Newton. J'ai une question, Jack. Comment tu prononces la première carte de la deuxième ligne? Rose. Rose ou rose?
Rose. Et robot ou robot? Robot. Rose, c'est robot. Pas directement. En fait, on va dire rose, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'accent circonflexe au-dessus. Rose, 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 non, rose, 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 rose. Il y a des accents circonflexes avec la prononciation, par contre. Rose. J'ai acheté des roses. Je vais offrir des roses. J'aime la couleur rose. Mais rose. Tu dis bottes, tu dis pas boot. La pompe interdite. J'ai acheté des bottes. Déjà, il y a la forêt, oui. T'as, s'il y avait cité, je l'aurais coché aussi. Pourquoi araignée? Bah, la forêt interdite, Harry Potter, araignée, Aragog, tout ça. D'accord. On peut dire que le magicien pratique la magie interdite, j'en sais rien. La matière interdite, l'avocat interdite. Bon, déjà, c'est féminin, donc... Bon, je pense qu'on peut valider forêt, déjà. Ouais, la forêt, c'est ça, c'est sûr. C'est Harry Potter. En tout cas, c'est du féminin, déjà. C'est interdite, hein, donc... Notre nouvelle... C'est sûr, hein, interdite, c'est, le but, c'est de faire dominer forêt. Du coup, c'est la forêt interdite. Il y a un truc en relation avec cette la forêt interdite. Forêt. La forêt... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça devient gênant, là. Non, non, pas du tout. Piste interdite, carrément interdite. Oh, putain. La rose. Actuellement, aller au théâtre, c'est interdit. Alors, Ralga, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Faut que t'arrêtes de proposer des trucs à l'équipe d'en face. Alors... Ouais, mais pour le coup, je pense que celui-là, il est vraiment capable. Les représentations professionnelles sont autorisées. Oh. Bah, si c'est professionnel... Hein. J'ai eu la chance il y a 10 jours d'assister à une représentation et vendredi prochain j'y retourne. Attends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dis-moi, est-ce que je peux tenter mon truc? Ou alors tu... Ah, je sais pas. Pourquoi rose d'ailleurs? Pourquoi rose interdite? Je sais pas, j'ai une pensée pour la belle au bois dormant, ou je sais pas quoi, être la rose ou le cristal, mais en fait, non, c'est même pas que c'est interdit, c'est. Non. Ah, puis ça ferait un titre de bouquin, je suis sûr, ça, non? Moi, je tente mon araignée. Vas-y, tente l'araignée, vas-y. Ah, bien vu. C'était quoi le délire de la rose, là? Tu peux m'expliquer ta connerie? Je sais pas, je me suis dit ça ferait un bon titre de bouquin, tu vois, donc... Et après, ouais, j'ai pas confiance en notre ami. Ça... On peut écrire deux mots. Ah. Jake, il l'a tenté. C'est un nom propre, ça. Ok, je suis d'accord avec les trois, on vérifie, mais... Ouais. Mais non, mais attendez, j'ai pas encore d'idée pour le reste. Mais pas si vite. Mais franchement, alors ski... Bof. Ni bof. Magicien, absolument pas. C'est vrai que mon chat me pose la question. On a le droit à deux mots parce que là, c'est vrai qu'il y a deux mots, Will Smith. Bah, on peut considérer que quand en il vrai, propose c'est propre, Céline Dion, ou tu sais, c'est une Homer ouais. Simpson. Ouais, on va accepter c'est le nom. C'est une personne, propre. C'est un nom propre. Je me dis que bah, ça va. Je pense que ce serait pas accepté si tu utilisais un nom propre pour faire deviner. Enfin, utiliser prénom pour un sens et le nom de famille pour un autre sens, tu vois. Ouais, un peu... okay. Mais d'accord, mais ouais, ça me paraît... Ouais. Will Smith est un et indivisible. Oui, c'est un problème aussi, ça, d'ailleurs. Mais passons. Je ne vois pas... Ouais, on va viser trois, là. Belair, il est à Hollywood, puis il a fait Aerobot. Exactement. C'était trop bien Aerobot comme film. Il a peut-être mal vieilli. Oui. Ouais, je pense par contre. Bah, il date de cette ère-là, des années 2000 à 2010, où on faisait des films avec des acteurs, mais que dans des décors numériques. Et la douleur, quoi. C'est ça. Genre, suffit de revoir la prélogie Star Wars en 2020, enfin en 2021, mais tu vois l'idée, pour se rendre compte que putain, ouais, non, dur. Ouais, en particulier le premier film, les deux autres, c'est moins marqué. Ah, non, même l'attaque des clones. Non, attends, si. Oui, c'est ça.
Les fantômes attaquent des clones en revanche des sites, c'est ça. L'attaque de la revanche de, du retour de, des clones du Jedi. À peu près, hein. De toute façon, le premier film, il est bien que grâce à la course de pod dans à Tatooine. Hein. Qui, pour le coup, je pense, elle n'a pas vieilli. Plaît-il de quoi ? La course de pod sur Tatooine dans le premier. Ouais, je pense qu'elle a un peu vieilli, mais vu que tu vois pas beaucoup de personnages réels en même temps, ça passe. Les décors derrière, t'as l'effet de vitesse et tout qui permet de moins. Ouais, voilà. T'as le flou mouvement, c'est le cache-misère des. C'est marrant parce que c'est aussi un peu le cache-misère des jeux vidéo de 2010 et plus. En vrai, de 2005. Eh, c'est chiant, le jeu en 3D, on n'arrive pas à dessiner beaucoup, on est obligé de mettre du brouillard. Eh, ça va être le concept du jeu, on va faire. Silent Hill. Qu'est-ce que j'ai pas aimé ce jeu ? C'est pas grave, nous on t'aime bien quand même. Mais en même temps, la première fois que je l'ai lancé, je devais avoir 7 ou 8 ans. Ah, c'est sûr que c'est pas la bonne époque. Ah, c'est... Je suis désolé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'as un bonnet ? Mais où est la musique ? Pourquoi bande ? Oui. Ah non, tête et ski, je pense. Ah non, je pensais bande. Non, mais oui, bandeau. Je vais mettre tête parce que je joue la zoussée, voilà. Je te laisse l'autre. Bon, ça me paraissait évident. Je pensais pas. Franchement, je vous aime. Ouais, t'inquiète. Les deux diagonales. Moi, c'est tout bon. Pour le coup, en tant que personne de l'équipe adverse, je le trouvais pas compliqué. Non, clairement. Ah ouais. Quand je l'ai écrit, je me suis dit non, c'est pas genre. Je sais pas. Mais. Là, c'est comment ça s'est accéléré le rythme. Si c'était possible. Quoi, bande? Bandit insaisissable. C'est honnêtement celui-là, c'est le plus faible des trois parce que j'ai pas, je les ai fait un peu pour l'instant plus à l'instinct qu'à autre chose. Bon, déjà, je pense que Joker est magicien. Je sais pas pour toi, mais il me paraissent presque. C'est même pas si évident que ça pour moi. Mais... Ah, parce que tu proposes quoi, toi ? Je propose pas grand chose en fait, mais il y a quelque chose qui me gêne quand même. Parce que moi, insaisissable, ça me fait littéralement penser au film éponyme. Oui. Avec des prestidigitateurs, donc des magiciens. Ah, oui, d'accord. Oui, donc magie. Et le Joker dans Batman est insaisissable. Voilà. Ok. Et insaisissables, ils sont une bande globalement dans le film. C'est plus là-dessus le. Le film Insaisissable, c'est bien avec un S, le titre. Il me semble, hein, ils sont plusieurs. Alors attends, qu'est-ce qu'ils font dans le film ? Ils font de la prestidigitation. Et il y a Hulk qui joue un flic qui est en fait pas un flic. Et il y a Morgan Freeman qui fait un mentor. Mais il meurt pas. Ah, et puis il y a le gars de Zombieland aussi, le gamin. Moi, je suis d'accord pour les trois que t'as mis et que Bande est le plus faible des trois. Ouais, du coup pour Bande, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir à la place en fait. Pour moi, magicien me paraît. Dans l'ordre de prio, magicien, Joker, Bande pour l'instant. Ouais. Bon, voilà, hein. Je pense que Joker, il est vraiment dedans aussi. Et est-ce que ce serait pas du théâtre un peu ? Il y a un peu de ça, je t'avoue que j'ai hésité un petit peu. Je pense que Bande est plus probable. Parce que, enfin, tu peux aussi penser à une bande qui est, enfin, typiquement des bandits insaisissables, genre, j'allais dire les Dalton, non, parce que les Dalton, ils sont chauds à chaque fois, mais... Peut avoir cette notion de bande de, voilà,
bandit insaisissable. Ouais. Pour moi, on met Joker là. Ouais. Ah. Ah, c'est l'histoire. Eh bien, merci. Thank you. Ah non, mais attends, j'ai oublié que c'était Jake, l'espion. Faut qu'on pense différemment. Oh, la violence. Vous avez pas assez de. Aïe aïe aïe. Normalement, là. Oh, du coup, Nostra, c'était un peu ça. Bah oui, du coup, ça m'en fait un en moins. Hein. Écoutez, on va essayer ça. T'en penses quoi, Plaxa ? Pour moi, Ang, géométrie, c'est logique. Et matière, mathématiques, tout ça. Parce que je t'envoie un Ralga par MP, c'est ta contribution pour notre victoire, tu vois. Toi, va contribuer à notre victoire, c'est gentil. Ah, alors, donc géométrie. Donc il y a angle, hein. Et. Bah, ok. Ah, j'allais mettre physique et. Non, physique et Newton serait plutôt pour la. Géométrie. Un atout géométrique, c'est bien connu. Hein. Le clown, ce qu'on peut dire qu'il est maquillé de façon géométrique, tu vois. Je pense pas, non. Un canon. On va valider l'angle. Bah, un arc. L'arc de cercle. Ah, un arc de cercle. Hein. Je vais tenter. Boum. Nostra, tu peux arrêter de m'envoyer des gifs pour me provoquer. Désolé. Mais non, c'est la battle derrière. Oui, bien sûr. Je sais. Moi, je voulais être gentil. Bon, du coup, qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé les deux? Ah, parce que t'as pas suivi en plus. J'avoue. Non, je faisais mes conneries. Ah, bah bravo. Pour éviter le stress. C'est bon, mais tu vois, voilà, justement, j'ai pas eu toutes les montées et descentes d'adrénaline en mode non, c'est pas ça, si, non, c'est pas ça. Mais on te trouve les bons mots et t'es même pas su être connaissante, quoi, qu'on a un cerveau, qu'on sache s'en servir. Bah, mais boudez pas. D'ailleurs, fais un bisou à Ralga parce qu'il nous a trouvé un mot aussi avant. Hein. Voilà. Ah, merci, Ralga. Il a trouvé quoi? Bah, il nous a trouvé Joker. Ah, Joker, mais non, mais ça j'ai lu quand même. Et non, je t'enfonce absolument pas le clou, Ralga, hein, si c'est ce que tu penses. Ralga, vraiment, aujourd'hui, t'es doué. Mais eux, d'abord. Hein. Zut. Ah. Filtre. Cette bonne idée. Techniquement, c'est autant ma faute que celle de Ralga. Hein. Presque plus la mienne, d'ailleurs. Bah, j'étais vraiment pas chaud sur Joker aussi, mais. Bah, du coup, c'est bien, monsieur Vert, tu t'es rappelé qui tu jouais, c'est bien. Ouais, mais c'est son tank sur haut, donc faut pas qu'il dise trop de conneries, quoi. Ah. En même temps, c'est mon heal, donc faut pas que je dise trop de conneries non plus. Sache toujours que les heals ont droit de vie et de mort sur le reste du groupe. Si tu pars de ce principe-là, tu feras plus de conneries. T'inquiète pas, j'ai joué principalement heal sur l'extension d'avant. La vie avancée des salles de guérison, c'était terrible. Il claquait même pas ses remous, horrible. Ah, tu veux. Et alors, les plus guérisseuses, je t'en parle même pas. J'ai joué Hersham aussi, là. Fin BF1 et début Shadowlands, j'ai joué Hersham aussi. Je sais ce que c'est. Ok, mais sortie d'atout, du coup, tu vois quelque chose, toi? Il y avait Joker, mais du coup, pas. Oui, mais bon, il est plus là, donc à la limite. The Hierophant. Oui, il y a quoi en carte de tarot Ou pas tarot, tu vois. En carte de tarot dans le sens divinatoire. Il y a pas le clown?
Max Zander et le clown. Oh, elle était trop bien cette série. Alors, j'irai pas jusque là. Hein, c'est juste qu'on avait l'âge pour apprécier ce genre de série. Bah, je préférais ça à Supercopter. Série allemande. Bah, pas c'est pas la même époque, il y a 10 ans d'écart au moins. Ouais, facile. Puis merde, Supercopter, ça donne LP Belisario, quoi. C'est pas n'importe qui. Fait JAG et NCIS. C'était trop bien ces séries. Hein, et Code Quantum. Et Code Quantum, ouais. Ah, il était incroyable, hein. Et Magnum. Ah, vous dites Quantum, moi je dis Quantum. Y a pas, genre, y a pas un banc de tarot, y a pas un terme de jeu, de carte pour la banque, genre au poker, y a pas un terme comme ça? Non, c'est si tu penses au poker, c'est le turn, la river, le flop. Mais y a pas un terme de qui parle de bande ou... Non, tu confonds avec le billard. D'accord. Non, mais je. Oui, non, mais. Moi, en fait, moi, j'imagine la bande de cartes devant moi, mais c'est peut-être absolument pas ça. Je vois pas le terme, là, comme ça. Bon, déjà, hein, arrêtons de tergiverser sur ce mot-là. Est-ce que t'as envie de mettre bande pour le insaisissable d'avant? Franchement... Peut-être. Allez, hein. Attends, carte de tarot, y a pas une rose aussi? Je sais pas, dans Isaac, y a pas la rose. Attends, si ta référence au tarot, c'est... Bah, normalement, elles y sont toutes, hein. Google, liste des cartes tarot. The Sun, The Moon, The Lovers. Oh putain, il y a... Non, il y a... Il y a pas de... Y a pas de... Three hours later. C'est... Chacun fait un peu ce qu'il veut, même s'il y a le tarot de Marseille qui correspond aux cartes de Isaac. Je t'avoue que je suis un peu dans l'expectative. Putain, la musique d'attente, quoi. J'avoue. Mon chat, on me propose une association d'idées exceptionnelle. Il est 23h06. Au oh, quatrième top, Isaac Newton. Bah oui, mais non. Enfin, oui, je sais pas, peut-être. Je pense pas. Mais honnêtement, si c'était le cas, ce serait cool. Mais je pense pas. Allez, hein, j'ai pris une. T'as bien fait de prendre une décision. Une carte bleue. De toute manière, je pense qu'on a perdu à ce tour-là parce que ils vont deviner les deux là. Je pense. À moins que ce soit. Ah, oh! Oh oh! Aha! Désolé, on va. De toute façon, je peux pas. Je vois pas quand. La peste grise! Non, c'est la peste noire. Je vois l'idée directe, hein, c'est au plus hein. La rose grise, ça se dit. C'est en 1 sinon. Hein, Non, mais puis fais un truc, moi ça me va. Hein. Non, on va pas vous aider. Comment? Bête. La dernière fois que je l'ai piffé, on est tombé sur un Momotus. On va éviter, hein. T'avais peur de tomber sur la carte noire, hein. Pop. Ou alors, t'avais pas vraiment confiance en moi. Bon, les bleus, vous avez intérêt de mettre dollars, parce que sinon, on gagne au puissance 5. Bah, tentez le dollar, hein, du coup. Gagnez, allez-y. Dollars. Attendez, j'ai besoin d'une vérification dans la règle.
Ah là là, attention. Quel suspense. Oh là là, j'ai le cœur qui s'accélère. Oh. Wow. C'est pas con. C'est vraiment pas con. Ouais, mais... Ok. Non, celui-là, ça va. D'accord. Il y a pas shower. Ah, oh, arrêtez avec ça. C'est rigolo. Hein. Oh, ça, c'est... dès qu'il y a des trucs. Alors, est-ce que c'est la pomme pour Newton? Il dit blague. Bah écoute, franchement. Et puis golden. Dollar. Dollar. Pognon, oui. Fric fortune, égale pognon. Bonne fortune, divination, tarot. De toute façon, ce n'est pas Andy, ce n'est pas avocat. Ce n'est pas rose, sinon ce serait doré. Ce n'est pas rose. Ce serait comme la plus rouge. Maintenant on dit du lait. Ah, ce n'est pas pompe. Ce n'est pas canon. Encore que le Golden Gun, hein, de James Bond. De GoldenEye sur 64. Ouais, mais GoldenEye, enfin le Golden Gun, il est dans GoldenEye, mais il vient de Goldfinger, je crois. De l'homme au pistolet d'or. De l'homme au pistolet d'or. Oui. Ah, ça va, il y a trop d'or dans ces... Je veux dire, il y a trois films James Bond, il y a Gold dans le titre. C'est bon, là. De toute façon, c'est demain, ne suffit plus, ne meurs jamais, pas peur de mourir. De la chute du ciel. De mourir demain. Comme disait Natacha Saint-Pierre. Voilà. Mourir demain. Oh, mais t'as un pan. Ah, quand même! T'as perdu! Ah, vous avez tourné autour du pot, hein! Alors, qu'est-ce que tu voulais faire deviner avec Insaisissable? Bah, c'était directement le film, vous étiez en plein dedans, et en fait, il y avait bien magicien, il y avait bien Bond, et ils font un casse quand même, un casse important, donc dollar! Ah oui, oui, effectivement! Incroyable. Il y a Lucien qui nous disait pour Golden, bah Golden Roses, tu sais le groupe qui chante Sweet Shovel of Mine. Incroyable. Mais à la place de tarot, j'aurais dû mettre poker. Et en fait, vu que vraiment vous avez divergé ensuite, je me suis dit en fait tarot c'est une bonne idée. Donc ça va. Non, c'était une bonne. Attends, du coup, avec tarot, tu voulais faire deviner série. Avec tarot, il n'y avait que atout à la base, seulement atout. Les mots supplémentaires, c'était pour vous dire revenez sur Insaisissable. Ah, faut pas faire ça. Hein. Ouais, mais du coup, si on va nous laisser profiter de notre chance de pif en plus. Parce que là, pour le coup, on a vraiment cherché trois liens avec tarot. Mais c'est pour ça que, en réfléchissant, j'aurais pas dû mettre tarot, j'aurais dû mettre poker. Parce que pour le coup, dollar aurait été beaucoup plus évident. Et même, si on va par là, en creusant un peu plus... Je pense qu'on aurait quand même mis Joker. Ouais, mais... Joker. Il n'y a pas de Joker dans le poker. Ouais, mais du coup, tu penses au jeu de cartes, de manière générale. Et... Bah non, ouais, j'étais plus sur Casino, Ocean's 12 et tout ça, là, tu vois. J'avais commencé à taper Clooney, mais je me suis dit, Clooney est à côté. Et du coup, Golden pour penser à Isaac Newton. Bien Golden, joué. La pomme, Isaac Newton et Gold, doré, argent, dollar. Du coup, quand t'as entendu le jeu de cartes tarot, Binding of Isaac, tu t'es dit oui. Il y avait peut-être. De ça, ouais. Il y avait de ça, ouais. Bon,
je pense que je vais arrêter là personnellement. Ok. D'accord. Il est déjà 23h13. Et on va s'arrêter là. Effectivement. Bien. Eh bien, merci à ceux qui ont suivi sur les différents streams chez Imra Wo, chez Another Mr. Green, côté Yves Sand. Merci à mes camarades de jeu de ce soir, donc Imra, Mr. Green, Astralix, Plags et Ralga. Abonnez-vous, suivez tout ça, rejoignez les Discord et on se retrouve sur Yves Sand la semaine prochaine. Abonne-toi, mets la cloche. Totalement, bisous. Rejoignez-nous. J'adore la bisous.